personne ne bouge, bordel de merde, c'est un putain de braco. Les manévites dans ce monde d'enfoiré. Au sol, yo. Au sol, bordel, au sol. Tous au sol, la bande d'enfoiré. Y'en a qui veulent bouger là. Y'a personne qui bouge, y'a personne. C'est un braquage. Au sol, bande d'enfoiré, au sol. Et toi au sol, enfoiré. Tout le monde à l'horizontale. Tout le monde à l'horizontale, yo. Mais qu'est-ce qu'elle fout, monsieur? Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout? Ah, une pioche, c'est confisqué, monsieur, le temps du braquage. Ok, super, tout va bien, ici, c'est pas ok, bande d'enfoirés. Restez bien concentrés, sinon je vais devoir vous tirer. Me mettre en danger. Qui c'est qui travaille dans ce pub là? Celui qui bosse dans ce pub se lève tout de suite, yo. Celle qui travaillait, elle vient de rentrer dans la cheminée là, c'est une magicienne. Comment ça, elle est rentrée dans la cheminée, sérieux? Grand d'arrêt. Ouais, ouais, rentrée dans la cheminée. Oui, je passe ici. C'est le Père Noël. Ok, monsieur en vert là. Y'a quelqu'un d'autre qui travaille ici ou pas? Non, absolument pas. Lève-toi, enfoiré, viens ici. Confisqué, caméra, confisqué. Non, j'ai entendu oui. Eh, qui c'est qui bosse là? Lève-toi là avant que commence à se tirer dessus là. Qui? Vous avez dit qui? Qui c'est qui bosse là? Lève-toi, enfoiré. C'est la dame, monsieur, c'est la dame. Quelle dame, yo? Quelle dame? C'est la dame qui était là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui bosse ici? Non, il y avait elle, il y avait elle. Attends, elle est partie où la dame? Je crois qu'elle est. Elle était là. Bah, elle a un problème, non? Ouais, elle était là. Elle va se réveiller, je pense, yo. Et me dites pas qu'elle s'est fait aspirer par le tube là, on est où là? On est dans Mario ou quoi là? C'est quoi ce bordel? Putain. Et en vérité, levez-vous. Et veuillez, s'il vous plaît, gentiment, délicatement, sans faire de gestes brusques, vous mettre au fond de la pièce. Ok, on va au fond. Merci beaucoup. Et à droite, dépêchez-vous là. Vite! Ouais, pardon. Allez, hop, 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 si vous voulez pas que je commence à vous tirer dessus. Putain de merde, mais attends, mais elle a pas disparu la vendeuse quand même, yo. Si, la cheminée, si. Là, j'appelle sur la centrale. Elle est sur le toit, faut que j'aille sur le toit du bâtiment, c'est ça que tu es en train de me dire. Ça. Sur la centrale pour qu'elle réponde et je lui dis viens, Taras. Mais ça se trouve, elle s'est endormie, hein. Possible. Attends, qu'elle se réveille. Moi. Mais elle serait au sol si. Ah, bah, moi aussi, je l'appelle là. Elle était à l'intérieur, yo, non? Bah. Ça dépend en fait, ça dépend. Mais me dites pas qu'il y a un passage secret dans le magasin, yo. Ah non, c'est. Là, il y a souci. Ah ouais, y'a des belles chevaux ici, y'a une nébula. À l'ancienne, yo. Ah, y'a une porte là. Allo. Je vous entends pas. On peut pas très rien par là. Et ouvre la porte, connard, si t'es derrière. Je te dis, on va carrément plomber tous tes enfoirés de Yankee là-dedans. Ça va être une boucherie à la place d'une taverne, je te le dis, moi. Sous le plancher? Oh merde. Ouais, carrément. Oh, aïe. Pour la sarde de là. Qu'est-ce qui lui est arrivé, yo? Yo, c'est un putain de braquage, bande d'enfoirés. C'est un putain de braquage, putain de merde, yo. C'est un braquage, yo. On a des otages, bande d'enfoirés, chicken, yo. Ok, je baisse mon arme, je baisse mon putain de 9mm, yo. La situation est carrément sous contrôle, bande d'enfoirés. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Vous avez combien de personnes à l'intérieur déjà? Attendez, je vais vous parler qu'un truc, sinon on va pas s'entendre. Je prends ça dans ma boîte à gants. 1-2-1-2, test micro, vous me recevez? Malheureusement que je prends le microphone, il y a la voix du blédard qui apparaît, je pourrais pas faire autrement, c'est bon pour vous? Alors écoute-moi bien ma chérie, actuellement à l'intérieur du magasin, il y a plusieurs petits moutons. Si tout se passe bien, Laïd, on va les égorger. Si jamais ils font les choses bien, normalement comme dirait le Dia à côté à ma droite, Alhamdoulilah, ils sont tous vivants. Yo, vous m'entendez toujours ou pas? Je retiens le cutris, il est en langue arabe, version arabe, ce mégaphone. Ok, du coup je vous entends. Vous êtes trois, c'est ça? Et vous avez combien d'otages? On est carrément nombreux, je peux pas vous dire le nombre de personnes qu'on est, ok? Okay. Pour l'instant, ça restera confidentiel. Ce qui va se passer, c'est que je vais essayer de relayer à ma copine ici, qui a tourné dans le film des 101 Dalmatiens, d'où le noir et blanc sur sa tête. Merci à vous pour votre patience. Toi. Alors 500 bières, tu vas nous en donner. Ah, mais de la bière, c'est de l'alcool, t'en as rien à foutre. C'est qui on est, espèce d'enfoiré? Non. Vous savez, c'est lourd les bières, hein, mes frères. Mais ça bourre la gueule, ça bourre la gueule, yo. Attends, la combien de limonades, elle a dit? Une tonne. Allez, 500 limonades, prends la moitié. Mais vous allez pas vous embêter, on prend une petite dernière fois quand même. T'inquiète pas, on est 5, on va prendre 500 limonades. Un gros caca. Là je tape aujourd'hui les gars, c'est trop la hesse. Ça vaut quoi, GG? Je ramène des cartons pour les stocker dedans, j'arrive, yo. Elle en a mille. Youpai, merci beaucoup pour le 4ème mois, merci beau gosse. On a faim, c'est ça nos revendications. Les docks sont fermés, on en peut plus, c'est la crise, yo. C'est à cause du maire, ça. Et quand nique sa mère, le maire. Nique sa mère au maire. Les mamans, là. On sent pas les couilles, il y a sa mère à lui. Et lui, il pense à nos mamans, nous.
Ouais, dis-nous. Eh, deux petites secondes, les chickens, là. J'ai un petit message à passer à Medji, ok, yo. Ouais, merci beaucoup. Yo, Medji, aujourd'hui, ça fait une semaine et demie, voire deux, que les dogs sont méfaits. C'est la crise et qu'on n'arrive pas à se sortir dans le sud, ok, yo. Là, vous voulez savoir combien de limonades on va prendre aujourd'hui? On va vraiment pas rigoler. 500. Cool. Il y a 1000 limonades là dans son stock. Yo. Oh la vache. Donc là, faut vous... pas grand chose. Hein. Il y a 1000 limonades, faut que vous preniez des cartons parce que là, allez, Jay, il y en a beaucoup. Y a qui? C'est bon. Et il faudra que tu m'expliques quelque chose, ma petite beauté. Comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui soit encore alimenté par les docks et le sud non, yo? J'en sais rien, moi, je viens juste d'être recruté. Ok, c'est à ta patronne qu'il faut que j'en parle alors, yo. Et puis vous savez, y a aussi Galapagos où on commande, hein. Vous commandez chez Galapagos. Ah bah, on va pas avoir le choix, ouais. Ok, ok. Ah, bon, ça va, il va rester ça sans limonade. Balance-moi ces putains de plats. Je les ai déjà donnés. T'as donné les plats, ouais, c'est bon. Ouais, je les ai, ouais, je les ai. Toi, t'as combien de limonade, tonton, en face de moi? J'en ai 200. J'en ai 100. Toi, t'en as 100, 300, il en manque 200 encore, c'est ça? T'es qui, putain, t'es A? Non, j'en ai donné. Je crois la donner au. J'en ai 200 moi déjà. Ouais, c'est bon, donc c'est bon. 200, tonton là-bas. Ok, on a carrément que. Vérifie les plats, combien les plats? Combien de plats t'as là, ma petite beauté? Non, elle a donné, elle m'a dit. Mais c'est quoi les plats les plus nourrissants? Nous, on veut les plats les plus nourrissants, yo. Non, j'ai pas oublié les hot dogs. Non, toi, tu te remets. Hot dog, vous avez eu les gars, hot dog? Eh les tontons, vous avez eu des hot dogs ou pas par la bombasse? Oui. Allez, Ron Weasley, dépêche-toi. Vas-y, Ron Weasley. Allez, bien, Ron Weasley. Eh tonton, est-ce que vous avez eu des hot dogs? Non, moi juste des poissons. Si, moi j'ai des hot dogs. Combien t'en as, yo? Combien? 30 hot dogs, j'ai 14 wings, 13 tartes à l'oignon, 40 carpaccio, 197 limonades. Il manque là. Il manque. Non, yo, je vais vérifier. Eh, je te jure, tu vas passer un sale quart d'heure si jamais tu dis pas la vérité. Je te le dis, moi. Tu peux passer de bonbon à sa pétasse. Il a 40 carpaccio, 30 hot dogs, 14 wings et 197 bouteilles avec 13 pancakes, yo. Bah attention, oui, les gars, j'ai bu, les gars aussi. J'ai mangé, j'ai bu. Non, mais les boissons, c'est bon, les boissons, il y en avait 500. Eh, c'est quoi la nourriture qui nourrit le plus chez vous, ma beauté? Bah, les burgers, mais on en a plus. Putain, yo! Il y a des hot dogs. Ouais, il y a des hot dogs. Les hot dogs, t'en as donné combien? 30. Bon, dit. Ok, et donc accompagnement. Pour l'instant, tout se passe correctement. J'espère que vous passez elle m'a donné 14, un oui. désagréable moment. Ok, yo? Elle a donné 40 oui, carpaccio. Moi, ça se passe bien. Un agréable mauvais moment, comme on dit chez moi, yo. Ouais, tout se passe bien. Parce qu'en réalité, tu peux passer un désagréable mauvais moment ou un agréable mauvais moment. Vous voyez ce que je veux dire, yo? C'est incroyable, les tartes à l'oignon. 13. Ok, donc vous êtes sur un mauvais agréable moment ou un agréable mauvais moment? Allez, viens avec moi, Jimmy. T'en as eu combien? Là, pour le moment, c'était un agréable mauvais moment. Ouais, c'est un agréable mauvais moment. Bon, ça va alors, ça va. Ça va, yo. On est des vrais, on n'est pas des tendres, on n'est pas des steak wagyu, mais on essaie de faire en sorte que les otages... Ils aient peur, mais ils disent quand même, yo, cette prise d'otage, elle est carrément G. C'est pas mal, yo. Écoute-moi bien, Galia, avec ta peau. Attends, les tontons, parce que là, je prends ça personnellement, les tontons, deux secondes, là. Écoute-moi bien, Taspé. Parle bien de Gaïa, c'est ma chatte, elle a 4 ans. J'ai été la chercher à la SPA après la mort de Piu Piu, mon chat avec 14 ans, qui a fait une anémie. Et je peux te dire qu'elle est tricolore et qu'elle est super gentille, elle meurt jamais, elle griffe personne. Oh, par contre, de temps en temps, elle me fait pipi sur la tête la nuit, je sais pas pourquoi. On parle bien de Gaïa. Elle doit être incontinente. Continental, ouais, t'as raison. Ouais. C'est une marque de pneus pendant qu'on y est, mon chat. Ouais, Michelin aussi, connasse. Parle bien de mon chat, parle bien de ma chatte. Allez. Bah, vite, moi, parle bien de ma chatte. Oh. Yo, tu parles de Gaïa là? Entendu, Hubert. Ah la vie de ma mère, attends, j'appelle une copine à moi, elle va te mettre là, on t'attend. Elle s'appelle Karima. Bouge pas, je mets au parleur. Allo, Karima. Tu sais qu'elle parle mal de Gaïa là, t'as un spectre en otage. Moi je vais t'attraper par les cheveux. Je vais te gifler, salope. Là tu fais quoi là? C'est que tu vas voler mon mec quand même, espèce de pétasse. Je vais t'attraper, je vais te faire la misère. T'as compris ou pas? Ah ouais, t'es mort. Yo, comment tu parles? Comment tu... Eh, j'ai raccroché, oh, ça devenait trop bizarre là. D'accord. Attends, tu fais la maline avec eux, carrément. Tu fais la maline avec carrément. Tu fais la maline avec carrément. T'es carrément, elle m'a aidé quand je t'ai jeté. C'est elle qui faisait des monstres cassoulés. C'est elle qui faisait de la loubia. Tire le Notorious, tire! Ah la danse! Non! Bordel de ta merde, yo! Et chante une musique! Putain, yo! Chante! Chante! Salut, c'est moi, Choupi! Je marche, je vais à l'école! j'ai de nouveaux amis! Ouvre ses portes, venez découvrir notre café livré ou la rhum du café fraîchement préparé. Non, quoi, c'est pas ça. On vous attend pour partager un moment chaleureux. Continue, chante! Scripté ou espresso! Avant que je mette une main dans la tête! Les petits poissons dans l'eau, nage, 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 nage! Allez, c'est bon, j'ai capté, elle!
l'eau. Je vais lui tirer dans la chatte, allez. Je tire à côté, t'as de la chance. Oh, t'as de la chance, je tire à côté, je te le dis. Enceinte, toi, tu prends pas des cons, toi. Toi, tu vas mettre au monde un fusil à pompe, ça va te faire bizarre, je te le dis. J'ai carrément une question pour eux, là. Je sais pas si c'est ce que tu viens de poser, tonton. Je vais essayer de leur poser une question. Bah attends, mais ils ont même pas répondu, Big Jeep. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je pense que c'est celle de... Qu'est-ce que tu fais, là? Non, non, reviens, reviens. Non, yo, je recommencerai plus. Non, viens là. Moi, je pense qu'ils se croiseront à la même distance. Ah, il faut le niquer, là. Mais attends, attends, regarde. Viens voir, deux secondes. Tout le monde me reconnaît, j'ai une cagoule, alors là avec Big Dips, je suis mort. Comment tu t'appelles? Ouais, ouais, c'est te rattraper, vas-y. Va lui acheter des pagayes à Décathlon, ça ira plus vite. C'est barramé. Non, mais je sais pas conduire, putain, je sais pas conduire. Oh là là. Pas ah oui, ils ont pris notre caisse. Vénère avec des arts. Je sais pas conduire. Je peux pas conduire, je peux faire des trucs. Le c'est créer la priorité à droite. J'ai un poignet clé en 4, une mère des familles. Et puis j'ai des dettes sur le dos, tu comprends? J'ai décidé de venir à l'esprit pour marcher mes dettes. Bon, vous avez fini, hein, les blagues? C'est toi, toi, pour cacher ta calvitie, tu mets tes lunettes sur tes Golf 8 là, t'as rebond là. Qu'est-ce que tu me racontes là? On dirait mon tonton qui met son casque sur les yeux. Ah putain, ça pue. Les méchants! Par les méchants. À vous faire foutre les chickens. Attendez, on vous laisse partir elle tranquille comme ça, s'il n'y a pas d'embrouille, allez-y. Cette trottoir. Vous êtes sûrement full 4x4? Ouais. Yo, bonsoir. Et la moulaga, grosse moulaga, par les méchants. Les méchants. Les méchants. Ouais, ferme-la, ça me balance. Non, je rigole, pardon, tonton. Pardon. Non, non, pardon, yo, je regrette. Non, tiens le tonton, yo, pardon. Ne m'oblige pas. Désolé, yo. Surtout pas à vouloir te pousser à travers la porte. Non, s'il te plaît, fais pas ça, tonton. Même si t'es lourd, je suis sûr que si je te mets déchassé. Attends, parce qu'il fait chaud. Je sortirai pas, je suis bloqué. Je suis bloqué dans la voiture, qu'est-ce que tu vas me sortir? Tu vas te retrouver avec une association sur les côtes à force de sortir des bacs comme ça. Qui, moi? Ou tonton? Va voir que tu vas avoir une descente de mecs. Descente de gros qui vont toi. Te fusiller. Tu vas en voir, tonton. Un jour je ferai une attaque de gros, je te le dis. Tu vas faire de la pub pour rien toute nature. La soirée. Merci pour votre compréhension, yes. Yes. On n'est que la concurrence, yes. Au bifi du factif. Un actif via 0% de matière grasse dans ton huc. Tu vas l'avaler par force. Merci Merlich pour le 5ème mois. Bla 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 de Poké. Aya Nakamura est dans la golf.
l'enfoiré, bouge pas. Bouge pas, appelle du renfort. Je vais te tirer dessus, reste là, tu vas mourir. Ne bouge plus, ne bouge plus. Ok, on va temporiser gentiment mais sûrement en attendant que ton collègue il se revienne avec son 4x4 parce que je suis passé dans un endroit où il pouvait pas passer. Et je suis peut-être... Rapproche-toi avec la voiture, rapproche-toi, rapproche-toi. Come here, come here. Come on, yo. Surveille les tontons. Ça va ou quoi, notre bisounours, je sais pas, beau gosse, comment il arrive à faire du sale en parlant et tout. Habitude, beau gosse. Vous emmerde, écoutez-moi bien, bande d'enfoirés, chicken. Vous avez encore de l'essence ou pas là? C'est qui, moi, ce mec là? Ouais, je pense qu'on a de l'essence, ouais. Ok, je vous en mets un peu là. Ah non, il est plein déjà, mais comment se fait qu'il est plein alors que vous roulez depuis tout à l'heure? Bah, je sais pas, moi. Ils ont un réservoir de 30. Ils ont un réservoir de 200 litres. Ok, ils ont un réservoir de camionneur. Eh, dépêche-toi de faire un call et de savoir où est-ce que ça en est là. Il en est où le Tiax, ce camion là? Eh, hey, dites-leur que... Oui. Vous avez le droit de dire que vous êtes pris en otage. Tu dis une connerie, Paul Naref, je te fais sauter le couvercle. Ça vaut quoi faire du c'est gaming? C'est pas des lunettes, merci Mika Green pour la bonne manivra pour 6 mois, merci beaucoup. C'est beaucoup. Pas des lunettes, hein, des quoi? Je suis désolé, mais file-moi tes putains de lunettes, c'est pas des lunettes, hein, des quoi? Et pour le réservoir, on verra avec l'état-major, parce que je sais pas ce qu'est le problème. Pas de galère, j'ai des Maltesers, t'inquiète, Mighty. Ouais, 10, on vous attend, ils nous ont pris en otage, ils veulent que vous reveniez sur la poursuite là. Ouais, en attendant qu'ils réparent leur turbo. Ils peuvent pas venir parce qu'il y a une cérémonie et que s'ils y vont pas, ils ont un blâme. D'ailleurs, nous on va avoir un blâme du coup. Mais vous êtes en train d'intervenir. Mais comment ça, yo? Mais vous êtes en pleine intervention. Ah ouais, vous intervenez. Yadi, il veut se reverser plus tard. Ok, bon, bah. Ok, bon, ce qui va se passer, les tontons. Je vais confisquer les lunettes, je vais confisquer les lunettes. Eh, les tontons, c'est ce qu'on va faire. On va les déposer à leur cérémonie. On les fume. Donc il y en a un qui va démarrer la voiture. Il va monter dans la club. Démarre la voiture là, et mets-toi côté passager. Ouais. Ok, vas-y. On va les déposer, on va les déposer. Au poste, au poste. Vas-y, montez dans la turbo rouge. Ouais, ouais, permettez-moi juste de récupérer ces lunettes. C'est pas des lunettes adéquates, ça. Ouais, si tu veux, j'en racheter. Voilà, super. Allez, viens avec nous. Ouais, fais le témoin avec vous là. Arrivez là-bas, moi je descends. Je monte avec vous et on se tire, yo. Ok, prends-lui son arme, mon frère. Attention, ouais, ouais, j'ai déjà pris, Moi j'ai son pétard à cet enfoiré là. Écoute, Mighty, vous allez commencer à vous concentrer quand vous êtes derrière des DJ comme nous, ok, yo. Ouais. Vous arrêtez de faire les coups. C'est entendu, c'est entendu. J'espère que t'as bien compris. On essaye, on essaie de faire au mieux. On essaie de faire au mieux. Yo les chicken, je vous dépose votre voiture de police. Bonne cérémonie. Bonne soirée, yo. Merci, monsieur. Bouge pas, je te trouve le cul. Ok, je bouge pas. Allez, vas-y, tu peux te tirer à ta cérémonie à la con. Désolé pour le camion, désolé. C'est pas grave, t'inquiète. Mais en fait, on est vraiment devenus les boss de la ville, en fait. Même les boss de police, ils nous respectent, en fait. On est les MOB. On est les MOB. Ça rigole, hop, on se fait respecter, on conduit la voiture de chicken, on la dépose. Y'a personne qui dit rien, mais putain, mais on est le roi de la vie en fait. Sincèrement. Appelle Jamal. Vas-y, dis-moi. Appelle Jamal. Bah, ils peuvent dire, on a entendu un nom, c'est Big Dips. Bah, par ça, ils peuvent rien dire. Est-ce que t'étais sur les lieux? Bah, bien sûr que non. Bah, c'est moi demain, j'y vais, je dis, hé Dario. Yo, en vérité, comme dirait. Comment il s'appelle l'autre là? Amos là, des indigènes. Alayamo. Alayamo, je sais pas quoi. C'est lui qui dit ça, yo. Je comprends pas. Moi. C'est Amos qui dit ça, appelle-le, yo. Allo. Ouais. Ouais, vous êtes où? On est là, brother. Yo. Les Jeeves, vous allez jamais croire ce que je vais vous dire. Dis-moi. Je suis passé dans un endroit, un 4x4 passait pas, je m'en suis voulu, donc je l'ai attendu. Finalement, son 4x4 fumait. Du coup, on s'est fait courser que par une seule turbo de chicken. On s'est arrêté dans une nouvelle bresson, on les a braqués. On leur a demandé d'appeler leurs collègues pour qu'ils viennent en renfort parce que j'étais déçu. Et au final, personne n'a voulu les aider. Il y avait une cérémonie de chicken au poste. Du coup, j'ai conduit la voiture de police et je l'ai déposé avec le chicken devant le poste, devant tout le monde. Mais attends, mais c'est une story Snapchat sur Nasdaq, ça? C'est quoi ce délire là? On est carrément devenus des vrais G, il y a tout le monde qui nous respecte. On est les fans de la ville, c'est ça qui même les chicken, ils disparaissent. Mais nous... Mais même lui, on a fait 4 rounds, parce qu'il y a une premier virage, il n'y avait plus personne. On l'a vu en direct, yo. T'as vu, il a continué direct. Mais il a fait un tout droit, il est parti embrasser le poteau, il était guananas, il m'a dit. Bon, moi je propose que je transmets mon titre de poker à Tonton Monéris. Tu racontes quoi là? Tu fais quoi? T'es en train de freestyler pour qui là? J'étais en train de chanter. Mais tu freestyles pour qui là? Pour les murs? Je jure tellement naturellement. Bon, vous avez pris combien les gars du coup? Oh mon dieu, on a pris 500 limonades, Mighty. En plus, j'ai besoin de limonades là.
Alors là, le big out, faut que je vole de la nourriture. Il y a un nouveau magasin de nourriture qui a ouvert, vous avez vu ou pas? Nespresso, Espresso, je sais pas quoi. On va aller le taper aussi, je vous le dis tout de suite. Mais non, mais attends, mais laisse-le ouvrir déjà. Rien à foutre, rien à foutre. Vas-y, rentre de spi. One more time. T'es un BG à skip, exactement, Julien, t'es un beau gosse. J'ai pris moi de mon côté sans limonade. Donc on va mettre les limonades avec les limonades. Mettez-moi des limonades s'il vous plaît. 50 crèmes glacées. Oh là 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 là. Well hello, cholestérol. 100 popcorn. Oh, 100 popcorn. C'est pas mal. Tu vas inviter des meufs, tu vas inviter des meufs. Mais bien sûr. Attends, faut que je goûte. Ah ouais, c'est rien, les cookies et tout. La glace, ça n'aurait pas de fou, le popcorn, fais voir. Oh, c'est nul. Sortez le reste là, sortez le reste là, les tartes aux oignons et tout là. Ouais, tarte au pomme. C'est qui a pris ce que j'avais là? Hot dog. Hot dog, ça nous arrive bien ou pas hot dog? De toute façon, je peux pas. Hot dog, attends, je vérifie. Oh, c'est pas trop mal, yo. C'est pas. Il y en a plus, il a tout pris. C'est carrément pas aussi bien que le steak wagyu, mais c'est pas mal. Attends, il y en avait 27, pourquoi tu l'as repris? Repose, yo. C'est-à-dire qu'on a 57 hot dog là. Les gars, je peux avoir 10 limonades s'il vous plaît? Yo, bien sûr, Magic. On va dire que c'est de la Dutch qualité ce que tu fais. Epic Dips. Yo, c'est carrément Epic Dips à l'appareil, ça va encore MG, pépère la famille. Eh, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Hein. Ce soir, j'ai une mission. Une grosse. Deux. Non, non, mais c'est une mission que tu vas kiffer. J'espère qu'elle est pas plus grosse que moi, sinon je la fais pas. Yo. Non, mais je te dis, c'est une mission que tu vas kiffer. Yo, c'est un boulot de grande envergure. Et je t'explique, normalement, je dois prendre un set. Et les 7 ce soir ils sont tirés dessus. Oh, tant pis pour eux. Oh mon dieu, ils sont carrément tirés dessus. Ils se tirent dessus début de soirée. Ouais, bah ouais, s'ils se tirent dessus. C'est leur problème. Ils se niquent la soirée début de soirée. Big Dip, dis-moi t'es où, j'arrive, je vais te mettre les pépites dans les yeux ce soir. Je suis avec mon tonton, mon Aïe, Jean Tchéka, en train de nous faire réparer les voitures, Maïji. Tu sais quoi, j'arrive au quartier. Yo, ramène-toi dans le hood, un petit peu de bigamoud pour les concours comme vous, à tout de suite. C'est carré, vas-y, bien vu. Yo les gros gourmands, bienvenue dans le check carrément B, ça va ou quoi les G? Ça va ou quoi bien? Tranquille. Tranquille. Mais attendez, mais que voilà, Jou. Ne dites pas que c'est la super petite BMW M2. Salut, salut. C'est le petit paquet ça. Un petit stage 4 sur la voiture. Ça se fait plaisir chez les BMW. Bonne soirée les jeunes. Ouais, voilà, bonne soirée les jeunes. Tu vois ça, tonton Monarich? Ça se fait plaisir. Ah ouais, elle est bien, elle est bien. Petite berline allemande. Est-ce que vous êtes prêts? Yo, vas-y, explique. On est carrément ready. Ok, je pense que vous allez avoir le kiki tout dur. Alors déjà, oh, faut non, savoir non, que non. C'est une mission organisée par les plus grandes familles de la ville, les Smiths. Oh, il veut nous dire pareil. La soirée amusante, la famille Smith organise une chasse à l'homme à partir de ce soir jusqu'à demain soir. Merci Payet pour le sub, au père la mèche, merci beaucoup. Chasseurs, la police s'amuse à vous contrôler, à vous amender, et j'en passe. Amusez-vous, c'est l'heure de la vengeance. C'est simple. Une fois un agent attrapé, il vous suffit d'envoyer une petite photo de l'agent en otage au numéro indiqué. Donc le numéro, je l'ai. Suivant les barèmes des grades, il y aura des récompenses. Donc c'est-à-dire, si vous chopez un capitaine, c'est 15 points. Sinon, le commandant du sud, c'est 20 points. L'adjoint, c'est 10 points. Lieutenant, c'est 15 points. Un autre lieutenant du nord, c'est 8 points. Un sergent du sud, c'est 10 points. Un sergent du nord, c'est 6 points. Un SLO Ophi 3, c'est 8 points. SLO Ophi 3 Nord 5 points, enfin vous avez compris. Plus ils sont gradés, plus il y a. Yo, ça c'est mission pour les mobiles. Et les points, ça équivaut à combien de dollars? Parce que moi c'est le dollar, moi c'est le fric qui m'intéresse. Tonton, enfin, c'est celui qui aura le plus de points. C'est celui qui aura le, c'est celui qui aura le plus de points. Donc moi, ce que je te propose ce soir. Salut, parce qu'en fait, The Insane Zabogos. Les 7 ils se font la guerre, les 7 Dinglewood. T'as pris je leur avais dit que ce soir il y avait une grosse mission, ils ont décidé de se tirer sur la mission. Ouais, de eh ben tant pis, donnons la mission à mes amis des MOBI. Yo. Oh, ok, ok, ouais. Ça, ça fait c'est quoi vous êtes capable. Je vais tous les arroser, ces enfants, les chicken. Je vais les arroser. Tranquille. Yo, tonton Monarch, je vais les arroser. Yo. Non, calme. Yo, tranquille. Ça, c'est une mission pour un Big Club, c'est tonton Monarch, yo. Bon, les gars, moi, ce que je vous propose. Oh mon dieu, il va faire ce qui passe derrière vous. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit Darchat. Oh, ok. Non, c'est pas la pleine lune. Dès qu'on a les flics, j'arrive, je les prends en photo, ok, et je les envoie au numéro qu'il faut. Ok, moi j'ai le droit d'utiliser moi j'ai le droit d'utiliser des sets, j'utilise que vous. Ok, yo. Ok, donc en fait, nos points qu'on va faire, ce sera tes points, et en fonction de ce que t'auras en fric, tu vas nous passer, c'est ça? C'est ça. Ok. Vas-y, let's go. Azog avec mon stream deck et voice mode, c'est une appli sur l'ordi.
Thème de Bouti, vas-y, c'est quoi le Dark Chat? Passez le message au gang, on compte sur vous. On sent un Dark Chat pour ce soir. On va l'appeler Pull Up. Ouais, 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 ouais. Bien sûr, faire du QLH. Je suis prêt à fumer des nofires là. P-U-L-L-E-U-P. Tu mets P-O-U-L-E-U-P. Non, non, non. C'est pas un poulet, c'est pas un poulet. C'est pas un poulet. Yo, qu'est-ce que vous racontez là? Il a pas dit poulet up. C'est bon, vous avez reçu? Bon, écoute, regarde. Qu'est-ce que vous racontez là? Ouais, c'est bon. Yo, vous me dites moi directement sur un Dark Chat, yo. Vous me dites le tir. Est-ce que Big Dibs, tu veux utiliser une plus grosse voiture pour ce soir? Non, yo. Je vais carrément utiliser mon pétard. Et si jamais il y a des chickens qui s'amusent à faire des marches arrière, Tonton Monarch, on les fusille sur place, yo. Moi, ce que je vous propose, c'est quand vous avez des voitures, dites-le, on les tape proprement. On se barre. On prend... Il y a plein de voitures de flics qui passent de partout. Ah, vous voulez préparer des plans avec nous, yo? Ouais, le but c'est qu'on fasse ça ensemble. Vas-y. Avec plaisir, yo. Moi, tu me dis, regarde. Tu me dis, Oji, voilà, j'ai une voiture de flic derrière moi, je me suis. On va péter des flics, t'as raison. Moi, je me mets quelque part, j'ai plus un remplacement. Tu passes, tu ne sortiras jamais, mais tu peux me faire confiance. Sachez que moi, je suis carrément un Zanzibar de la Terreau. Ça veut dire que je me dis que là, il n'y a personne qui va faire ça de façon discrète. Du coup, les chickens vont carrément être sur le qui-vive. Du coup, moi, je chasse les chickens, moi. C'est... J'inverse les rôles, c'est moi, je les chasse, yo. Ça va quoi, MG, tu vas bien? Eh ben, c'est pour ça. C'est pour ça qu'il faut se mettre sur le plafond dès maintenant. La mission va tomber il y a 10 minutes. Est-ce que je peux compter sur vous ou pas? Mais question plutôt carrément. Deux fois qu'une. Charles 9 mm. Il y a un chicken, il est pas content. Je lui mets directement un 3 points dans sa moum. Bam. Écoute, voilà, direct. Au cas où, si vous êtes trop dans la merde, si je sais pas moi, les flics vous rentrent dedans, vous avez des voitures qui fument ou quoi que ce soit, appelez-nous. Nous, on a des autres petits qui peuvent préparer des plans pour vous aussi. Comme ça, on va la faire de un boulot. Vous inquiétez pas. Allez, allez, c'est parti, la BMF. Yo, tout à l'heure, allez, go. Yo, parti, tonton. Allez, let's go. Et oubliez pas la bijouterie si vous voulez qu'on tape le musée rapidement. Ouais, mais là, là, en vérité. Ouais, là, on va... pour cette vie, ouais, yo, bout d'un moment aussi, on peut pas te faire en même temps. J'arrive pas à manger, voire en même temps, alors que j'ai un gros ventre. Donc doucement, yo. Eh, tu voulais des missions, frère? Yo, pas de galère, j'étais ma tessère, pas de soucis, j'ai du clafouti. Pas d'embrouille, j'ai des nouilles. Pas de galère, j'ai des ma tessère. T'inquiète, my G, yo. Allo? Pompe à essence, vas-y, allez, on y va, on y va. Pompe à essence, il y a une voiture chicken, là juste devant. Ah non, je croyais, yo. Pompe à essence, Little Seoul. Vas-y. Non, c'est la première fois que je vois une voiture. Bonsoir, monsieur, comment vous allez? Savez-vous? Les chicken, personne ne bouge, personne ne bouge, pas d'armes en l'air, pas d'armes en l'air, les chicken. Non, non, non. On monte à la voiture, dépêchez-vous, les trois, amenez-vous. Je veux voir les mains en l'air. Les trois qui ça nous? Non, dégage, bon, barre-toi, que les chicken, yo. Ok, les trois chicken, amenez-vous. Les trois, vous venez dans la caisse. Donne ton arme, toi. On y va. Ok, ok, ok. Donne ton arme, s'il te plaît. Tenez, je vous la donne. Tu perds, toi aussi, donne-moi ton flingue, yo. Vas-y, donne tout. Prends sa radio, prends son téléphone, prends tout, tonton. À lui. C'est bon. Okay. Dans la voiture, on me donne la radio, on me donne le taser, on me donne les chargeurs, si vous en plus. Un qui monte on devant. On va pas faire de mouvement, on va tout Un qui monte devant pour que mon tonton il s'en met derrière, dépêchez-vous. Voilà, nickel. Écoutez-moi bien, il y en a un qui joue au Lucky Luke, je le plombe, d'accord? Oh non, je peux vous dire que mon tonton il tire plus vite que la lumière, ok? Je vais vous dire qu'est-ce que c'est qu'un Lucky Luke. C'est un mec, hein, qui n'a pas... Il n'a pas l'odeur de la mort. C'est un mec qui dégaine plus vite que son ombre. Je suis plus fort que Lucky Luke, d'accord? Dans la rue, on m'appelle. C'est vrai, je l'ai déjà vu. Faites pas les cowboys. On est parti vers le Texas dans un saloon, yo. Je peux vous dire que c'est un show de la gâchette, mon tonton. Ouais, alors maintenant, vous jouez pas au con, ok, yo? Première sommation en l'air. Ça, c'est la deuxième sommation. Ah, non, ok. C'est bon, non, parce que j'ai l'impression qu'ils comprennent pas. Du coup, je dois sortir les armes lourdes. Comment ça me fait chier? Non, non, monsieur, c'est alors, bon. Non, mais si vous voulez prendre un coup de pompe, là, vous le dites directement. Y'a quelqu'un qui veut finir en gruyère râpée dans ma pizza ce soir ou pas? Non, non, ça y est. Ok, super. Il y a quelqu'un qui veut finir en escalope milanaise. Tiens, appelle-le là-bas, dans la turbo là-bas là. Je l'appelle. Et bien, son cellulaire. Mets pas d'eau-parleur au cas où il dit ton blaze, yo. Bien sûr. Ah, là, c'est pour une super mission. On peut pas vous envoyer l'adresse, les gars. Je me sens un peu serré là. On va vous rappeler dès qu'on a fini. T'inquiète pas, on va te sortir. Ah, il est tout petit le coffre là. Bah, c'est bon, yo, il fait chier lui. Je crois que c'est l'émission turbo ou quoi? Vas-y, match. Allez, tout le monde descend gentiment mais sûrement, on fait pas de gestes brusques pour éviter de perdre la vie.
On va gentiment se caler derrière le petit gourdin ici. Le petit tremplin ici. Voilà, ici, on se met là, on descend. Ok. Je vais vous demander de bien vouloir vous asseoir ici, là. Comme ceci. D'accord. Histoire que vous soyez un petit peu, voilà, dire entre guillemets. En tout cas, messieurs, sachez que le plus important, c'est que il n'y a rien à personne. Si vous avez besoin d'aide, pour pas que vous arrive quelque chose, voilà. Vu que vous êtes peut-être. Essayez de me donner des petits conseils là, mon petit chicken. C'est ça qu'il est en train de me dire. Donc tu penses qu'on n'est pas expérimenté? T'as pas vu la conduite du gros lard que t'as devant toi, espèce d'enfoiré chicken? Non, j'ai pas vu. Super. J'ai pas vu. Bah, tu ferais mieux de pas l'avoir. Parce que de toute manière, même si tu veux l'avoir, tu vas pas l'avoir. Vu que je vais littéralement mettre une première, deuxième, espèce d'enfoiré chicken. Donc ton petit nom, ton grade au sein du poste de police, espèce d'enfoiré. Ouais, c'est Aimé Allen, je suis un des adjoints du poste nord. Adjoint du poste nord, mais c'est quel grade ça? Ouais, moi je connais pas ça, adjoint. Pour moi c'est sergent, SLO, rookie, officier, capitaine et machin, mes couilles. Comment dire? Un fusil à pompe. C'est en tout le capitaine, voilà, en tout le capitaine. Et juste en dessous du capitaine, mon gros. Ouais, c'est ça, monsieur. Super, ouais, ouais. À côté, on peut voir le nom prénom du monsieur avec le chapeau de cowboy, s'il te plaît, mon petit Walker Texas Rangers. Russell Chapman, officier 2. Enchanté, voilà. Monsieur Chapman. Enchanté, enchanté. Enchanté. Moi, c'est Bruno. Voilà. Vous savez, okay. Ouais, bien sûr. Ok, Bruno. Enchanté. Ouais. Et par la petite demoiselle qui vient de commencer chez les Chicken et qui a choisi un très mauvais métier. Petite rookie. Vas-y, le mec avec le pompe, il m'intéresse. Bon, allez, lui, c'est l'adjoint, il est juste en dessous du capitaine, apparemment. Viens, mon gars! Viens, Oui, y'a pas de problème, je peux vous dire qu'on fait pas juste en mentir avec mon tonton, yo. Et toi, ma petite dame, vous êtes quoi, vous? Ouais, elle a un gilet jaune, elle débute. Ah, bon, c'est bien quand même, c'est bien. Et moi, j'ai une question. Hein, dans la rue. Moi, c'est Russell. On a pas entendu, là, apparemment, il y a des flics de chez vous qui essayent d'assassiner des individus pendant un braquage. Ouais, ouais, apparemment. Ouais, bande d'enfoirés chicken. Brûlez des pneus, vous. Okay. Mettez de l'essence sur les voitures. Apparemment, faites exploser des voitures sur des braquages de train. Hein, bande de terroristes que vous êtes. T'es pas chouette. T'es pas au courant. T'as entendu parler de cette histoire, ça? Ça fait du bruit hein, dans la hurle, je te le dis. Ah, mais j'étais là. Les gars, tout est bon pour nous. On a fait ce qu'on avait à faire. Yo, vous connaissez. On les relâche. Ouais, tranquillement. Bon, on va les redéposer. On va les redéposer à l'heure, tu revois. Allez. Ah, tonton, parce qu'on est des mecs bien, yo. Bien vu, les frères. Ouais, on va les redéposer. Avec Zirplay, vous savez, vous pouvez compter sur nous, les gars. Ah, bah, pour le moment, on est premiers. Bah, voilà, eh ouais. Ça rigole, hop, le checkson. Je surveille. La félone a l'air d'être en sécurité. Bon, on vous a quand même déposé pas loin de votre cerveau, ok? On avait un boulot, c'est la heure, vous comprenez? On a de l'argent à se faire, on essaie de sortir. Tu peux descendre, c'est bon? Oui, descendez. Ouais, on vous jette vos affaires au feu rouge qui est juste devant. C'est bon pour vous? D'accord. Oui, messieurs, j'ai espoir à vous, s'il vous plaît. Il faut vous repartir. Belem, Mighty, Belem, yo, Belem. Jette tout, yo. C'est bon, j'ai jeté là. On a tout jeté, bon courage les chicken. On se barre tonton, putain on est vraiment la mafia qui a la raison. Et là, le JBMF il doit se dire putain eux c'est des monstres, c'est des stromons, viens on va récupérer Jamal. Ils doivent se dire alors eux ils sont vraiment pas là pour manger de la salade. Ah, des trucs ici, ouais, là ça envoie du burger triple steak. Et c'est pas du steak de gnagnan, c'est du wagyu. Non mais pas l'essence, c'est pas rentable. Mais non, mais t'as un bidon non? C'est combien l'essence? C'est cher? Mais frérot, c'est 10$ le litre. Ah bon? Ah oui. Mais c'est pas, je peux pas descendre. Otage, à gauche, à gauche, ça passe. J'ai vu. Non mais prends l'otage. Mais attends, mais... Faut mettre l'essence d'abord. Oui, mais il peut mettre le bidon à côté des otages. Hein? C'est pris otage là. Eh mais l'essence, elle est dit, on est d'accord, c'est trop cher l'essence là, c'est mieux de prendre des bidons. Hop, on bouge pas, on descend là, tu revois. On fait pas de geste brusque. Put your hands up in the air. Eh, vous avez des tarpés sur vous ou pas? Ok, vous êtes des mecs de la hurle ou pas? Non, hermano, on est pas de la hurle. Vous êtes pas de la hurle, ça veut dire si on négocie avec les chicken et qu'ils vous récupèrent, ils vous prendront pas vos pétards. Non, sûr, 100%. Mano, clairement pas. Les pires. Yo, tu vas choisir les pires. Les gars, il y en a un, il va récupérer les armes des autres, d'accord? Non, mais en vérité, il a dit qu'il y a pas de galère.
Escucha, mi hermano. Ouais, on va. Vas-y, fais. D'accord. Ouais, mais monte dans la voiture parce que moi je vais tirer dessus, moi. On en veut que deux, yo. Eh, les deux qui vous avez le moins besoin là. Les deux que vous avez le moins besoin, les deux. Choisissez, yo. Ah, c'est bon, hermano, ils ont choisi eux-mêmes. Ces deux-là, ça vous convient, yo? Les pétards, ils sont où? Ah, vous voulez les récupérer du coup? Ah, bah, aussi, si tu vas faire une connerie et que tu vas ramener les poyons, bah, bah, c'est ce que je viens de vous dire, vous m'avez dit non, yo. Faut ouvrir vos oreilles, les G. Allez, Papi Chulo, tu peux donner à... Pose ça dans la boîte à gants, hermano. Là, on est d'accord que s'ils gardent leur machin, les chickens, si on fait une connerie, on négocie, ils vont leur prendre la pétard. Bah oui, clairement, clairement. Bah c'est ce que je vous ai dit au début, vous m'avez pas écouté, pas de PPA. Ah bah voilà. Oh, on a rien contre vous, les gars. Mais bon. Et attendez, mais est-ce que vous allez avoir des ennuis? Parce que vous, vos têtes, elles me disent quelque chose, là. Vous êtes pas d'ici, donc. Je vous ai déjà vu. Nous sommes de Galapagos. T'as dit quoi, Maïdji? Non, il a rien dit, il a rien dit. Non, mais redis, redis. Il est con, il est con. Redis, 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 redis. Il est con, il est con. Vas-y, répète. Non, 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 il a rien dit du tout. Du tout, il a rien dit du tout. Claro, juste nous sommes pas d'ici, claro. Ok, super, super. T'as pas besoin d'augmenter la musique. Super, yo. Super, super. Bah, si vous avez des sous, vous voulez nous donner un cutru pour pas qu'on vous prenne, on est ouvert à la discussion. Ouais, 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 combien tu veux, combien tu veux, dis-moi. Combien tu veux pour que je récupère mes amis? Ok, yo. 10 000, tiens, 10 000, récupère-le, vas-y, tiens. T'as 10 000 lardons, là? Ouais, ouais, tiens, tiens, je suis pas un rigolo. T'as pas une petite boîte de mun, un truc comme ça, yo? Tiens, tu veux quoi d'autre? Tiens, une boîte de munitions? Ouais, tiens, ramène-moi mes amigos, là, vas-y. Ok, vas-y, descendez, descendez, remontez avec votre chien. Remontez, remontez avec votre chien. C'est mon amigo, à bientôt. Avec plaisir, Lady. Mais le conducteur, la prochaine fois, dis-moi ça, je te fume, yo. Je vais le baffer, je vais le baffer, c'est mon petit frère. Allez, bonne soirée, il, va, bonne il me soirée, doit 15 000 dollars là. Les gars, la campagne, gars. Pas de galère, je démarre le taser, prenez soin de vous. C'est pour, bientôt. C'était pour faire un braquage à la base, rien contre vous, hein. Ouais, y'a pas de problème. Attends, okay, il a dit quoi, le conducteur? J'ai pas entendu. En fait, il a dit si, tu vas avoir des problèmes. Oh, il a fait le contre, yo. C'est pour ça qu'il était chaud pour les terminer. Enfin, terminer le conducteur. Heureusement, il a pas répété, hein. Ma mère la pute si je les pompais pas, je vous le dis, hein. Je savais, je sais. Mais moi j'avais pas entendu ça, j'avais juste entendu on vient des Galapagos, je pensais que c'était un truc qu'il fallait pas dire. Vous allez avoir des problèmes. Ouais, exactement, okay, okay, les gars. Les problèmes de quoi? Lui aussi, dans cascade. Genre, le fait qu'on les ouais, ma primo, ça va ou quoi la mif? Pépère, vas-y, bisous. Yo, Louisal News, Louisal News. Information importante, si vous avez du temps ou pas pour un scoop? Oui, dites-moi, attendez. Non, dis-moi la vérité, t'es occupé ou pas? Non, vraiment pas, vraiment. Ok, tu vois le pétard, espèce de connasse? Tu vois le pétard ou pas? Écoute, non, rentre dans ta voiture, t'inquiète, voilà. T'es Wilson News, je vais pas te prendre en otage. Reste dans ta chambre. D'accord, d'accord, d'accord. Là, ce qui va se passer, c'est que. Regarde, je te donne une information pour avoir un super scoop. Tu préviens pas les chickens, ok, yo? D'accord, d'accord, d'accord. Dans 20-30 minutes, il y a un petit gros lard là qui habite dans notre secteur qui va t'appeler pour te dire où est le coup. Comme ça, tu peux venir filmer, ok, yo? D'accord. Voilà. Prépare-toi. Est-ce que vous avez pris quelqu'un d'autre du Weasel ou pas? Non, on a prévenu personne, t'es la première. C'est ton scoop à toi, ma petite beauté, ok, ma grosse gourmande? Exclusivité. T'as dit quoi, yo? Exclusivité. Et votre quartier, vous m'avez dit dans votre quartier, mais je sais pas où il est. Yo, il te connaît, le petit Jean. On l'a déjà envoyé chercher des gens du Weasel News pour qu'ils viennent faire des scoops sur nos délits, ok, yo? Il s'appelle Big Dips, il va t'appeler. Un peu de patience, il va t'appeler, il va dire où te rendre, ok? Voilà, comme ça, t'auras un super scoop. Et tu filmes, hein, tu fais ça bien. Vas-y, ma grosse gourmande. Non, t'inquiète, elle, je la connais, je lui fais confiance, yo. Yo, les G, on aurait besoin d'une nouvelle coupe et on veut la faire 9 mm. Deux dans la voiture là, deux. Deux, vite, vite, vite. Attendez, est-ce que vous êtes armé? Vous êtes armé ou pas? Non, j'ai pas d'arme. Pas non plus? Pas d'arme. Ok, super. Vous pouvez carrément témoigner, tu revois. Attends, passe le téléphone là, madame dans le coffre. Et pourquoi la voiture d'Embouz, elle saigne des fesses là? Madame du coffre, madame coffre, sortez, madame coffre. Elle saigne. C'est un mec dans le coffre. Ah, monsieur, pardon, excuse-moi. Elle a ses règles ou quoi là, tu revois? Ah, monsieur, merci, Maïdji. Ah, tu faisais penser à une policière, c'est pour ça. Elle est dit rien de personnel, hein, c'est pour monter sur un coup, vous inquiétez pas, on va pas la faire de mal, yo. Merci. Ouais, y'a pas de soucis. Yo, prenez soin de vous, Lenji. Oui, Big Dips. Yo, c'est carrément Big Dips à l'appareil. Oh, y'a des gros J de la hurle là, ils sont en train de témoigner sur un braquage de train. Ils m'ont dit de faire la relation entre toi et eux pour que tu ailles carrément faire un scoop de malade et filmer. Apparemment, ça va tirer. Ça veut dire dans ta caméra, tu peux avoir des tirs et tout, je te jure. Tu peux avoir des mecs qui s'allument. C'est stylé, non, pour ton reportage. Bah oui, oui, oui. Ou tu préfères arriver après? Bah écoute, là après, dans tous les cas, vite, prends la route, vite. Non, non. Autoroute casino, autoroute casino. Tu sais où c'est le braquage de train ou pas? Non. Je t'envoie la pause, applique vite. Envoie-moi une pause. Allez, à toute. Yo. Bah, je crois que je suis aveugle, non? En plus, c'est que... Non, je pense que t'avais... Que des blancs chauves, comme par hasard. Yo. Toujours les mêmes.
toujours les mêmes. En vrai, mais t'as dit à le contenir, non? Ouais, ce que je me disais là. Ah, les chauves, ils savent pas tirer normalement. On attend la gonzette. Vas-y, croyons. Elle prend ça dans ta gueule, toi, que ça va être réglé. Elle a dit, les chauves ne savent pas tirer. Hein. Écoute, je vais te ramener Johnny Sins, tu vois, si c'est pas tiré. Non, mais elle parlait. Sur la tête, c'est normal. Non, mais elle parlait d'Oli, je pense. C'est Oli, non? C'est une. C'est par rapport au bébé que tu disais, non? La marque de. C'est Oli, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, oui, ok. Ça dépend, hein. Ça dépend. Attends, on attend le bonus pour qu'elle filme ou pas? Ouais, c'est pour qu'elle puisse filmer quand on est en train de la retirer dessus. C'est vrai. C'est mal, les chickens ils attendent en face là, ils sont sur les rails en haut. À droite. Tu les vois ou pas en face là-bas en haut à droite? Ouais, je les vois. Tout droit devant nous. Oui, je les vois là. Ils sont. Il y a deux voitures, ils sont quatre. Ok, donc deux. Ils sont cinq. Yo. Et ils sont bien, ils ouais, sont en train de filmer et tout là. Ils prennent des photos. En fait. Ils attendent qu'on s'arrache la gueule avec les enfoirés qui défendent le train. Ouais. Après, ils vont intervenir. Ils ont prévu avant tout, quoi. C'est quoi c'est, ouais. C'est du buffalo. Ouais, ils ont deux buffalo. J'ai carrément la pression, ouais. Ouais, c'est du buffalo. Mais leur voiture, elle est déjà arrachée, sa mère. Là, je vais passer un coup de fil. Second, yo. Ouais, je suis sur la route. Je pourrais pas. T'es là dans combien de temps, yo? T'es là dans combien de temps? T'inquiète, dans 5 minutes, grand max. Bon, vas-y, ils vont commencer, les yeux, ok, ils vont tirer et tout. Bon, madame, d'accord, ok. T'inquiète. Allez. Bah c'est clairement le moment de nous chanter une musique. Vas-y. Ils arriveront après pour faire un scoop, ok? On y va, yo. Vas-y. Et Dieu nous protège. Est-ce que c'est derrière le conteneur? Je les vois. Là, oh, il y en a vous en avez déjà deux, là. Ouais, dans la tête, directement. Il y en a pas à droite, on est d'accord. Non, à gauche. Oh là, ils arrivent, il y en a trois, là. Dégagez, ça tire, dégagez. Allez les gars, voilà, c'est ça, c'est beau. Alors les chauves savent pas tirer, les chauves. Alors comme ça, vous avez décidé de perdre vos cheveux pour essayer de nous tirer dessus, yo? Y'en a plus ou quoi? Je crois qu'on a fait un sacré boulot, les G. Ouais. Donc on se rapproche, on se rapproche, moi aussi, yo, j'ai mis que dans leur tête. On en foiré, nous faire foutre, yo. À nous le magot, yo. Oh. Bon, c'est bon, hein. Oh. Y'en a pas un petit enfoiré qui est bloqué avec une mitraillette là par hasard? Oh. Attends-moi, je vais faire un AVC! Mais c'est bon, pas besoin de monter. Vas-y, monte. Oh, si, m'en fous, je monte. Vas-y, roule, Mighty, c'est carrément type A. À nous le butin. Ok, je récupère le sac à dos. On va mettre le butin dedans, yo. Oui, c'est bon. Les otages, s'il vous plaît, vous êtes demandé à l'accueil. Yo, on est arrivé, bande d'enfoirés, tout le monde descend. Yo. Je répare la caisse en attendant, ok? Vas-y, Mighty, vas-y! Hop! Moi, je commence à découper ça par yo! Oh non, y'a le bug des tables sur le côté! Ah! Je préfère que celui-là! On n'arriverait jamais à faire un train normalement. C'est pas possible en fait. On n'a pas le droit au bonheur sur ce truc, j'ai compris. Ça me saoule. Après, les bugs, ouais. Mon petit McLove. On était déjà arrivés. Du coup, vu que t'as vu la table, elle est de travers, je peux pas récupérer le truc à gauche. Elle est comptée comme ici, même si mon personnage il progresse, je suis compté comme ici en fait, vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas le droit au bonheur en fait sur ce braquage, j'ai compris. On est destiné à ne jamais le réussir. De A à Z. Alors qu'on partait super bien là. Putain, on les a déchirés les PNJ. Eh hey, les G, on a carrément un blême pro là, putain, fais chier! C'est quoi? Les tables elles sont de travers, t'es mort! Je peux rien faire, yo! C'est un travail d'arbre, voilà, c'est toujours les mêmes. Les arbres, il faut jamais perdre le boulot. Et à cause de toi, par ta présence, tu nous l'as mise à l'envers, yo. Tu vois? Alors que nous, on veut juste faire le coup sympathiquement. Toi, tu nous baises, yo. Yo, c'est pas celui-là qu'il faut récupérer, c'est l'autre, Mike. Je sais pas, tu vas où? Pour réussir à choper lui, là. Ouais, celui-là, c'est bon, yo. En fait, il faut aller de l'autre côté, c'est ça? Il faut réussir à prendre ceux qui sont bloqués par les portes, là. Tu sais qu'on a pensé à la même chose. C'est bon, j'ai réussi. Ah! Yo! Qu'est-ce qui m'arrive? Yo! Je suis un fantôme! Oh mon dieu! J'ai lancé le script, les gars, j'ai réussi à. Oh, j'ai récupéré les trucs! C'est bon, yo! Vous voulez nous laisser? Oh, j'ai réussi à récupérer! Ou les deux? Non, je vais faire pour le deuxième, mais je suis obligé de faire un truc de fou, hein, regarde! Oui, vas-y! Hey, il m'est arrivé un truc de malade là, j'ai fait le tour de la ville dans les airs! Vas-y! C'est une grosse tête là! Yo! Il s'est passé quoi? T'inquiète! Ouais! Ah ouais! C'est bon ou pas? J'arrive pas d'ici là.
Faut que je refasse, fais chier. Vas-y. Je suis pas tombé au bon endroit, Maïji. Ah, ça veut pas, ici ça veut pas, yo. Bah vas-y, on laisse tomber, hein, je crois. Je peux pas, nique sa mère, j'en ai marre. Vas-y, relou. Elle est mise, c'est bon. J'ai pas réussi. Y'a le plein, c'est bon. Elle est où l'otage? Bah si, c'est bon, tu peux y aller. C'est bon, tu peux y aller. Yo. Ok. Qu'une seule place. Ouais, non, désolé. Allez, nous faire foutre, bande d'enfoirés. Mais il rajoute des barrières pendant que j'arrivais là. Non, il se passe, il est retiré. Ah, dis-moi, la dernière fois, la bisouterie qu'on a fait, on a pas encore reçu la thune. Non, je crois pas. J'avais donné à tonton, je crois, et. Ouais. Attends, ils sont pas là, attends. Yo, mais qu'est-ce qu'ils branlent, ces enfoirés de G là? Putain, j'arrive pas à passer la troisième, à nous faire foutre, bande d'enfoirés, chicano. Putain de merde. Fais chier! Ils avaient tellement de retard qu'ils oui, savaient yo. Pas où aller. C'est ça, était du période. Ouais. Non, mais je suis gentil avec eux. Yo. Oui. Fait un jeu marrant, hein. Ça s'appelle le dépose buisson. J'ai vu celui-là, buisson weasel. Exactement, c'est ça. Bah, je roule, dès qu'ils me perdent de vue, je descends, je te cache dans un buisson et je continue ma route. Oh bah ça c'est quand on est en galère qu'on fait ça. Non yo, c'est pour perdre du sang. Ça fait longtemps que j'ai pas tenté ça, je vais tenter un petit plan que j'aime bien faire yo. Je vais leur faire un petit plan yo que j'aime bien. Arrête-toi. Et bah il me voit au loin là yo. Ouais, il me voit loin. Putain mais la gueule des caisses. Là cette distance elle me convient parfaitement yo. Et ma vue, parfait. Et ma vue, nickel, yo. Il est fait espérer. Oh, mais il a des problèmes. Oui, ouais, il galère, le pauvre. Oh, le pauvre, c'est carrément pas gentil. Eh, faites attention, hein. Faites attention à votre voiture, on va faire un petit saut, faites attention, hein. Attention hein, je vais te faire du sale, attention. Ralentissez, doucement. Vous avez prévu hein. Bah ouais. Ouais. Allez, c'est bon, il y a une musique qui arrive. Vous tournez. Moi, sur le derrière. Chut. Messieurs! Oh non! Messieurs! Oh non, sérieux! Je suis pas né la dernière pluie, lundi! Ah ouais. Bah, peut-être pas la dernière, mais l'avant-dernière. Ah, l'avant-dernière, à mon avis. Pas loin, yo! T'étais dans l'eau, hein! C'est quoi les points forts de cette voiture? S'il y en a? La mienne? Non, la derrière. Ah, son, bah, conducteur, pas, hein, son conducteur. Le point fort, c'est juste ça? Ah ouais, elle a 0 fort. Ouais, je crois qu'elle colle le sol, elle saute pas c'est trop. C'est l'équipe de base. Scoot, HP, Buffalo. Ça, tu prends des voitures volées, t'es tranquille en vrai. Hein. Ouais, bah oui, c'est bien, yo. T'as vu comment c'est chill. Il est carrément en train de nous crier dessus, yo. T'as dit quoi? Jamais de la vie. Va te faire enculer. Va te faire foutre, yo. C'est toi de faire foutre. On t'emmerde, enfoiré chicken. Bernard, emmène-les sur les docks. Ah, tu veux que j'aille faire le truc des docks? Ouais. Vas-y, yo, si tu veux, je suis tout neuf en plus. Là, ouais, tu revois, elle est jdid, yo. Elle est jdid, hein. Rien, je vais prendre un petit Michou. Un petit Squeezie.
pour prendre un Khanes comme toi. T'as vu quand il fait l'imitation de GMK avec ses gros. Yo, j'ai vu. Il est fou, yo. Monir Moon, ça se fait quoi. Ouais, exactement, yo. Ouais. Mais lui, il est fou. Il a 40 piges et il continue les bêtises. Ouais. Tu vois quand il imite GMK avec ses grosses joues là, ça, le bâtard. T'as rien à faire, lui. T'as vu là. Comment il souffre. Bah ouais, oh là là. Fais attention, je suis sûr. Ça fait un... C'est un petit passage en plus, hein. Ouais, c'est ça, en fait. Bah, je pensais qu'il est passé flex. Ah, il va leur faire la technique. Ok, j'ai capté. Serrage à gauche. Ou Salem. Oh, pas mal. Ah, c'est une autre ça. Mais j'ai pas fait. Ouais, c'est une autre voiture, yo. Il m'arrive en face de toi, attention. Ouais, mais la voiture ne sera jamais assez large pour pas boucher une route pareil, yo. J'ai vu l'autre voiture qui est descendue par le pont, mais elle s'est trompée de direction. Ok, tu veux qu'on fasse le reste un peu sur lui, là. Ouais. Là, c'est le menu complet, Roya. Il va y avoir le droit. Anticipe. T'as les deux voitures sur toi. Hein. Okay. Faut déjà connaître pour anticiper, frère. C'est impossible. C'est carrément chiant d'anticiper ici, MyG. Je te le dis, c'est relou. Attends, attends, frère. Et là, c'est pas tout mon carry coin. Aïe, aïe. Et après, on sort de l'autre côté où c'est là. Ah oui, c'est efficace, yo. Ouais. Ouais, le J. Au lieu de sortir, c'est pas dit, c'était nul, hein. Au lieu d'avoir une vie, au lieu d'aller au restaurant. Mais je te jure, j'ai pas compris ce qui s'est passé tout à l'heure. Au lieu d'aller au restaurant et d'avoir une vie. Ouais. Oh, sert à quoi? Conduis, yo. Un à foutre de vivre, yo. Quoi tu manges, en fait. Ah, les gars, mange ton écran, mon frère. Mange, moi, je prends une douche. Ma carte graphique aussi, tant que tu es, non. On est bien là, yo. On est bien. Vas-y, on est bien. Time to move. Yo, exactement. Bon boulot, les G, bon boulot, yo. Bien joué. Voilà, tu vois. Tu les emmènes un peu tout part, tu les balades, tu t'en as à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais t'as vu, tu quand je mélanges. Passe d'endroits un peu compliqués où deux turvois peuvent anticiper. Oui, oui. Bah, vite. Faut faire vite. J'évite, oui. Ou faut faire vite. Yo.
Ça vend de la cam à Little Seoul, ça vend de la cam à Little Seoul. Le guitar m'a appelé, go Little Seoul, on est les bras. Dès demain dans mes poches, pas un jour de plus, pas un jour de retard. Sinon c'est 11 500 qui vont s'ajouter par jour. Ouais ouais, c'est ça, cagoule, cagoule. Il a dit ok, bah il va te ramener ça demain. Eh go Little Seoul, apparemment ça vend de la dope sur notre inté là. Les Yankees, les graveurs, ils vont pas attendre. Yo. Ça va ou quoi, man? Ça va, tranquille, et toi? Tranquille, la forme. Ça va. Bon, qu'est-ce que t'as sur toi? C'est notre zone ici, on contrôle tout le monde, là. Dépêche-toi, frère. Eh, celui qui est derrière, c'est ramène-toi, là, avec tes écouteurs, la vessie, oh. Allez, hop, 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 grimpe. Ici, c'est notre zone, on contrôle la zone, là. Y'a personne qui circule ici. Y'en a, ils se claquent dans le coffre et ils me déposent tout, là, téléphone. Allez, jette tout là, jette tout par la fenêtre, la petite enfoirée. Elle, dis dans le confio, t'as tout donné ou pas? Ouais. Ok. Ah non, attendez, attendez. Attendez, okay, vas-y, okay. Donne tout, donne tout. Jette tout par la fenêtre là. Eh, je vais te pétarder enfin, je vais te refaire un deuxième trou de balle, yo, dépêche-toi, yo. Enfoiré. Dépêche ton putain de cul là, enfoiré. Allez, let's go, on y va. C'est quoi ce délire là? Écoutez, je vous dis un truc simple, mon enfoiré. Little Seoul, ça appartient au MOB. Ça veut dire, quand on voit des teutés qu'on n'a jamais vu. Contrôle fiscal. On est ce qu'on appelle l'huissier de la UR. On n'a pas la même info du coup. Ah c'est quoi l'info que t'as? Ah non, j'ai V13. Ouais. V13. Ah, V13, en plus de ça, on vous ment pour que vous puissiez vous faire péter le cul. Ils vous ont carrément mis sur un plafond pour avoir des problèmes, je vous le dis. Donc là, concrètement, t'es en train de dire que toi, tu viens d'Amazon, tu vends, sans autorisation, même pas tu me parles. Ben, moi, j'ai... Yo, V13, il m'a dit que il me gentiment mais sûrement contre le mur. Les deux contre le mur là. Okay. Vous allez écarter les cuisses, les mains, je les veux bien lever, d'accord. Ouais, on va procéder à un petit contrôle de la douane là, ok. Voilà, super. Écarte-moi ces cuisses. Ouais, écarte un peu tes petites cuisses aussi. T'as quoi là? Oh là 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 là. Pour le patient de sécurité. Ouais, ouais, c'est que t'es blindé de nourriture, toi, espèce de. Mais toi aussi, t'es un gros gourmand, ce que je vois, yo. Attends, c'est quoi cette nourriture là? Hein? Attends, je vais regarder dans tes poches arrière aussi, en dehors du sac. Je sais pas, regarde, ouais. Je sais pas, j'en ai vendu. Allez, c'est ma... attention là où vous me mettez. 14, je crois, comme ça. Alors, comme 14. Ça. Ouh, les petits pochetards qui dépassent, yo. Tu trouves ça normal là? 4 là à la fraîche, je les récupère, tu les as achetés où? Je vais parler avec Vas-y, file-moi cette putain de pochon là. Allez, hop, 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 donnez-moi. Ouais, toi, tu les as achetés où les petits là à la fraise, enfoiré? Je sais pas du tout, on me les a donnés. Parle doucement, il y a des chickens à l'extérieur. Si jamais ils entendent, ils arrivent là, je te plombe. Okay, ouais, pas de soucis. Super. T'es un bon petit gars, c'est bien. Yo, j'ai carrément rien pris, mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de sachets dans ses chapeaux. Je sais pas combien, yo, mais. On en a combien là? J'en avais 20. Ton putain de sac, oublie son putain de sac. On est la douane de l'ailleurs, c'est bien clair ou pas, bande d'enfoirés? Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Ok. C'est un kill, Rozoski, vous la vend. C'est les grands qui ramènent, on sait pas. Mais t'as plein de réduire, toi, mon gourmand. J'en ai plein, j'en ai plein. Mais je vais carrément me servir, yo. Tu as un gros gourmand, moi, c'est. Vous plombe, bande d'enfoirés, vous avez compris? Ouais. Qu'est-ce que je viens de dire? Yo! Mais t'as des trucs qui m'intéressent de fou, là. Qu'est-ce que je viens de dire, là? Et toi, là, je viens d'entendre, t'as braqué le custom café? Yo, en vérité, moi, je travaillais là-bas. Il m'a expliqué les tontons. Okay. Il m'a mal payé, du coup, je me suis dit. RAS, j'ai de la graisse. Okay. En fait, parce qu'on allait te faire ta fête, là, mon pote. Ah, écoute-moi bien le Sissi bien. Ok? Ouais. Alors, je vais te le dire parce qu'il y a certaines personnes qui comprennent pas et malheureusement, je vais te le faire avec le pétard parce qu'il y en a qui nous prennent malheureusement pas au sérieux, d'accord? Je suis un putain d'émobi, ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche, d'accord? Si tu parles au V13, qu'est-ce qu'il va faire, mon frère? C'est clair ou c'est pas clair? Je te mets le pétard sur la glotte. Sur la glotte, le pétard, sur la glotte. Hein? Il va me tuer. Mets le pétard sur le front, sur le front. Enfoiré, je vais te putain caler si tu veux. Exactement, Oba Spirit, salut, Joker ça. Vous avez chialé dans les bras des V13 et qu'on vient me casser les couilles. Bonsoir, Dridox, ça va, gosse? Je te canne. T'as compris, man? Ok. On prend pas ça à la légère. Et quand mon tonton est dit qu'il te canne, il est pas en train de faire une blague. Il est pas en train de te dire que t'es Oliver Kahn. T'as compris où? J'ai compris. Okay. Super bande d'enfoirés. Ok, super. Et moi, j'ai un truc à dire. Vous l'achetez à qui, là, la Rosa? On sait pas, c'est les grands, ça. C'est les grands. Ok, c'est bon. Vous êtes mignons, les gars. Je vous aime bien, tous les deux. Ouais. Au téléphone en se barrant, d'accord? Okay. Restez tranquille, ok, yo? Ouais, on bouge pas. Pas de problème, monsieur. Super. Ouais. On part sur la livraison en brr.
suis là, Mighty. On attend cet enfoiré d'embouze et on part sur la big commande, yo. D'accord. Qu'est-ce qu'il branche? Je vais lui envoyer une position géographiquement repérée à part. Alors, oui, ça va être rapide, je te le dis. C'est quelqu'un que je connais pas, elle m'a dit, ici il y a beaucoup de monde, je pense que ça va bien se vendre. Je l'ai marqué chez en haut. Yo, Kaegi, j'espère que c'est pas un guet-apens, sinon je vais devoir sortir 9 mm, yo. Bah j'espère pas aussi, mais c'est bizarre, enfin moi, il y a pas d'histoire. Oh, regarde, je t'explique là, il y a une voiture orange qui passe pas loin. J'ai des problèmes avec des G qui ont l'habitude de porter du orange. Là, ils m'ont repéré et ils ont roulé doucement. Donc là, il y a tout moment, la club elle va se pointer, je vais descendre à une vitesse lumière, je vais dire, il y en a qui descend, je le plombe. Donc sache que. Il y a fort probabilité que je me retrouve au sol et que je me fasse tirer dessus. Ça, t'es au courant, yo. Non, je me mets devant, je suis le bouclier. Non, non, tu te mets pas devant, tu t'écartes, tu recules, LG, t'as compris, yo. Ça, c'est d'accord, je me cache. On est carrément là, Dembouze, ramène-toi, Mighty. Ok, je te mets les petits menus dans ton coffre, yo. J'en ai aussi sur moi, hein. Il y a peut-être une voiture. Il y a peut-être une voiture qui va essayer de me braquer, donc je vais la braquer comme un fou, ok, yo. Bouge pas, je t'allume, bouge pas, bouge pas, bouge pas, tu descends dans la voiture, je te plombe. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Tu vas plomber qui, allez, allez. Lève tes mains là, regarde derrière toi, Almond. Retourne-toi, enfoiré. Allez, monte dans le coffre. Allez, va dans le coffre, là-bas, la Buffalo. Et vas-y. Va. Monte dans la chop, là, allez. Attendez, je leur donne juste des trucs pour livrer. Tiens, va livrer ça, yo. Descends, Dembouze, descends. Descends. Tiens, mon frère. Doucement, doucement. Va livrer ça, t'inquiète. Hop, la nourriture. Récupérez-lui son armement et faites-le monter, sinon on va le plomber. Dans le coffre, donne-moi ton arme. Tiens, mon arme. Son téléphone, son armement, le mets pas dans le coffre, mets-le dans la coach, il y a une place. Allez, monte, monte derrière. Et grimpe. On l'appelle Fétan. Ah. C'est pour le quoi, t'es là ou pas là maintenant? Ouais, yo. Ok, on dirait c'est un bon point. Super, yo. Est-ce que t'es dans le lot de ceux qui ont braqué mon armement? Je parle en même temps, je peux pas comprendre, Ledji. Vas-y. Est-ce que tu faisais partie des Allemands qui ont braqué mon frère, tu vois, sur Little Seoul? Ouais, c'est moi qui l'ai kebari, yo. Ok. Tu revendiques le territoire, Allemands? Ouais, je revendique, yo. Ok. J'en ai marre des gens qui jouent le nombre, j'en ai marre. Truc... Ça fait longtemps que tu revendiques le territoire ou pas, Big Jibs? Pour moi, qu'il faut parler de ça, ça met ton ton, les G. Moi, je m'occupe pas de ce genre de choses, yo. Ok. Alors, pour lequel t'étais en train de mettre des claques à moi, Allemands? C'est juste par plaisir? J'ai pas mis des claques à tes Allemands, moi, yo. Tu peux lui appeler des pochons, non? Non, j'ai pris zéro pochon, moi, j'ai pris que de la nourriture, les G. C'est pas Armano là qui lui a pris des pochons. Quoi qu'il arrive, tu traînes avec tes tontons, non, Armano? Exactement, Mighty. Ok. Ce que je veux dire, c'est que là, je parle à un MOB, on est bien d'accord. Yo, c'est ce que j'ai dit au début de la conversation, Mighty. C'est chiant de. Être plus smart sur la scène et de pas pouvoir la gagner, voilà que ça me saoule ça. Parle ça. Et là, voilà, ouais, ce team, regarde derrière toi, regarde derrière toi. Des vraies phrases de free access, frère. Vas-y, mettez-le assis sur le banc là. Assurez-vous que lui ait bien récupéré ses affaires, qu'il ait pas un double téléphone professionnel ou je ne sais quoi, tu vois, on sait jamais. Tiens, Mike, j'ai toutes mes affaires. Régale-toi. Tiens. Ça me saoule, les gars. T'étais en train de faire quoi? Il va rester dans Big Anote, Mike. Bon, qu'est-ce que t'as de bon à nous raconter? Pas grand-chose, Mike, j'ai pas trop envie de parler avec vous. Ah ouais? Ouais, yo. Envie de parler, Big Deep. J'ai le droit de pas avoir envie de parler, yo. C'est mon droit. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Si, si, toi, le droit, il demandait juste pour le hein. Ça fait plaisir, alors bien vu, les G. Vous avez embêté un copain à nous tout à l'heure. Effectivement, yo. Et dans quel but? Faire un peu de soude, prendre du matériel et de se régaler, yo. On est des mecs de l'ailleurs. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. On t'a embêté en plein travail en plus. Pas de problème, t'inquiète pas, Mighty. Oublie Deep, t'inquiète, il va rien. T'as cette gars, on va pas te tuer non plus, non. Pas de problème, faites ce que vous avez à faire, LG. Moi, j'écoute ce que vous avez à me dire. Je prends position de force, yo. Non, on ne veut pas du mal. Je suis désolé, les gars, ça m'énerve. Ça me saoule de pas pouvoir gagner ma scène alors que j'étais braqué 1000 ans à l'avant. Ça marche bien ton restaurant? Ouais, mais Simon, G, ça fait plaisir. Ah ben, super. Y'a pas de soucis, les G, vous inquiétez pas, yo. Je comprends qu'on t'a embêté, mais on ne veut pas de mal. Tout va bien se passer, j'en suis certain. Du coup, ce que tu m'as dit dans la coachée, tu le pensais sincèrement? Genre le fait de revendiquer le territoire, dire que c'est chez moi, tout ça. Ah, c'est ce que... ils ont dit mes tontons et moi à Teji, non? Si, mais ma question c'est, toi, tu es fier de revendiquer ce territoire de Little Seoul ou pas? C'est vrai que je m'en bats les couilles, yo. T'en as rien à foutre? Rien à branler. On t'a pas un, sérieux. Ouais, c'est bon l'énergie, c'est bon. Vibrer. Un fusil à pompe. T'en as un de fusil à pompe? Non, mais je vais tout faire pour en avoir un, yo. Et gros coup de pompe dans des pare-brises, ça peut faire de mal à personne, yo. Ouais, je te le souhaite d'avoir un fusil à pompe un jour. Merci beaucoup, yo. Peut-être que j'aurais pris un coup de dose, ouais, ce soir. Peut-être. Non, jamais de la vie, je n'aurais jamais fait ça à vous, yo. Je t'explique. Il le sait lui-même, hein. Faire court, ça va. Il me dit ça, c'est qu'il le sait lui-même ce qu'il a fait. Je viens d'avoir ton. Comment il s'appelle? Ton tonton, je crois, au téléphone. Il doit mon tonton Naetch ou mon tonton Nas?
J'en sais rien, il avait une voix cassée au téléphone. Ok, bah c'est peut-être mon tonton As alors, yo. As, ok. Et apparemment, bon, malheureusement, il m'a dit que voilà, il aurait voulu faire du business avec nous, que faire quelques petites choses et tout. Malheureusement, on va dire qu'on n'a jamais eu l'occasion vraiment de se rencontrer. Ça m'énerve trop, les nofiers. Il était même pour me proposer le double de ce qu'on va me remettre éventuellement ce soir pour te déposer à quelqu'un, tu vois. Que quelqu'un vienne te discuter. Tiens, tu me déposes au V13, Mighty. En gros, je t'explique. Tu vois, nous, je vais te dire la vérité, à l'heure d'aujourd'hui, dans la cahier, à la mano, on est des... Là, ma mère, on est des milliardaires, tu vois. On n'a pas de platin, on n'a pas d'armoire, on n'a pas grand-chose. On démarre la peine, tu vois. Et il y a des gens qui... J'arrive porte. Ils ont tendu la main indiqué. Pour une cause ou une autre. Et qui font qu'à l'heure d'aujourd'hui, ben, en vrai de vrai, on leur est redevable là-dessus au moins. Capté, mais moi, je sais pas mon mot à dire là-dedans, fais ce que vous voulez, DJ. Après, voilà, chacun ses valeurs, chacun ses manières de penser. Moi, je respecte, yo. Et on s'embrouille avec vous. Je sais pas pourquoi tu me ramènes, entre guillemets, ton daron. C'est pas une question... Ah, tu sais quoi, c'est pas une question de daron, mais si tu veux le voir comme ça, moi, ça me dérange pas, là, maintenant. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai... Tu sais, on est tous le petit frère de quelqu'un à un moment ou un autre, tu vois. Yo, mais on est des hommes, on n'est pas des hommes. Moi, c'est ça que je comprends pas. Dans la hurle, il y a tout le monde qui font les mecs brossons. Mais quand il s'agit de... En bourriner un peu la gueule, ça appelle des G de... qui sont au-dessus de nous. Tu vois bien que dans le TKM OP, on va pas se battre par exemple avec les Phonotis. Attention. Là, il vient, Polky, tu vois, il veut te parler par rapport à son terrain. Et là, il appelle, tu vois ce que je veux te dire. Il vient pour te parler de son terrain, Polky, moi je vends sur son terrain, Polky, tu vois, je me suis arrangé avec lui pour vendre sur son terrain. Tu captes pour le moment. Oui, donc et moi j'ai des problèmes terrain, en vendant sur son terrain. Il va venir, il va me faire son rituel habituel, si tu veux, Maïdji. Et quoi, moi j'ai pas mon mot à dire, faites comme vous voulez, Edji, ok yo. Faites comme bon vous semble. Moi j'accepterai tout ce que vous avez envie de faire. De toute façon, je suis pas en position de faire le malin, yo. Appelle le ref V13, je vais papoter avec lui. Si, je vais envoyer la position, il arrive. Pas de galère, yo. Mais et... mon tonton, il veut pas venir vite fait, là. Ton tonton, hein, malheureusement, tu vois, on attend Dario des V13 à la mano qui va venir, donc ton tonton, il est pas convié. Ok yo, en fait j'en ai rien à foutre de perdre, j'en ai rien à foutre de me faire attraper. T'as des embrouilles avec des gens Big Dips? Non yo. C'est le plus important. T'as été là, je veux pas trop d'embrouilles avec moi, je sais pas pourquoi yo. Peut-être que les gens te veulent des embrouilles. À part quand ils sont 15, mais sinon en vérité les gens en général ils me veulent pas trop d'embrouilles. Ah là là, ah, c'est dommage d'être Jimmy. Sûrement que si t'avais eu une coachée, ça aurait pas été, on va dire, de cette manière là. Non, j'ai prévu que vous arriviez, c'est pour ça que j'ai braqué en avance, mais bon. Et ben la prochaine fois, arrache-moi la cabeça là maintenant. Je pense que t'aurais pas aimé, yo. T'sais, j'aurais pas aimé. Je comprends ce que tu veux dire, Alamano, y'a pas de soucis. Et comme tu dis, je l'accepte également, y'a pas de problème, Alamano. Pas de problème, Leji. C'est fait, yo. Putain, si j'avais eu un fusil à pompe, je me serais mis bien. Alamano, ça va, tranquille. Yo, ça va et toi, Leji? Ouais, tranquillement. Et du coup, c'est quoi? J'aimerais bien avoir ta version à toi, parce que là, j'ai eu la leur. Ok, yo. En fait, en vérité, on a été informé par un guetteur qui avait de la vente de Toshi au niveau d'Little Seoul. On s'est dit avec les tontons, on fait une descente, on kebra les G, on se fait un peu de thunes, on récupère du matos sur eux, quoi, yo. Ok, mais apparemment, vous revendiquez Little Seoul. Ouais, il y a une revendication, yo. C'est chez nous et tout. Pour avoir un peu de style, quoi. Un peu de respect dans la hure, quoi. Si, mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que je pensais que ça allait être nous contre. Les oranges, mais en fait, c'est nous contre les oranges et les verriots. Non, tu te trompes. Tu te trompes sur ça. C'est voilà, pas contre moi. Actuellement. Là, en fait, regarde, je t'explique. Ah. Oui, t'es Séoul. Comment ça, je me trompe? T'es Séoul. Je me trompe pas. Tu vois, c'est au V13. Ok. Là, je vais faire la guerre bientôt avec les balas dessus. Ok. Apparemment, ils le veulent. Et en gros, là, les CCB que tu vois ici, ok, je les ai autorisés. Tu vois, on s'est mis d'accord sur un truc. Je les ai autorisés à vendre sur Little Séoul. Ouais, ça, je le savais déjà, yo. Tu vois? Et en gros, eux, vu que c'est moi qui les a autorisés, tu vois, ils se font racketter, bah, ils viennent me voir. Tu vois? Ouais, j'ai compris, yo. Mais là, dans le fond, voilà, t'as juste à revendiquer Little Seoul pour juste comme ça. Ouais, d'accord. Bah, voilà, ouais, yo. Tu es premier degré. Non, on a rien à foutre. C'est juste de savoir ça. On a rien à foutre, nous. On n'a pas le temps avec ces conneries, yo. C'était juste pour comme ça, yo. Et du coup, après, il s'est passé quoi, du coup? Bah, pas grand chose. En plus, on les a grave respectés, nous, les G sur place. On n'a pas été chambé avec eux, yo. On n'a pas été méchant avec toi non plus à la mano ce soir. On t'a pas menacé, on t'a pas frappé, hein. Mais je me suis pas plaint de ça, Maïji. Pourquoi tu dis ça, yo? Et mais pour le que tu dis, t'as été gentil.
Ah, mais dans le sens où on n'a pas été des tarbats avec eux, yo. Si, c'est vrai. T'as pas été méchant, tu l'as mis des claques, tu l'as raqueté, okay. Et j'en passe. Ok, les gars. Moi, comment je vois la chose, ok? Les Sibi, on a eu un accord sur Little Seoul, etc. Mais on va dire qu'on n'a pas eu un accord sur la protection. Tu vois, sachant que vous, vous êtes très bien capable de vous défendre tout seul. Ah, attention, et... Romano, j'ai jamais demandé de protection, moi. Donc, là, je vais partir sur le principe que... Vas-y, en fait, vous allez régler ça entre vous. Juste moi, ce qui m'a dérangé, c'est la revendication. Ça va, tranquillo. Ça va. Ok, ok. Non, finis. Du coup, moi, ce qui m'a dérangé, c'est la revendication du terrain. Tout ce qui m'a dérangé. Ah, t'es pris à l'otage, là ? Donc là, non. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, vous allez régler ça entre vous. Et sur les TSC ou les CCB, bah, vous êtes capable de vous défendre tout seul. Ah, bien sûr que si, elle t'inquiète bon pas, là, maintenant, t'inquiète pas. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il fait ? Vas-y, on va dégager. Hein. Bonne. Attends, je te passe les clés. Attends, viens, je te passe les clés de la sortie. Ah, t'as les clés ? Oh, yo. Ok, ok. Allez, désolé, la caca-box. Hein. Vas-y. Attends, l'enculé, toi, et la caca-box, sérieux. Eh, tu sais qu'on l'a 15 fois à la soirée, faites pas d'efforts, sérieux. Ah, oui, en même temps, vous êtes appelé CCB, c'est comme si tu t'appelais. C'est pas moi, c'est pas moi. J'ai la merde, vraiment, les gens, ils vont te. Ah, sérieux, donc, c'est bon. Tu t'appelles, je sais pas. K-Corp. Ce truc. Bon, allez, ciao, les Armando. On vient, on te dépose, Big Gips. Ça marche, yo. Vas-y, monte dans la Buffalo, Armando. C'est Thomas. C'est le Thomas. Scoop Boys. Pardon. Vas-y, monte. Vas-y, Bonu. Vas-y, César, putain. Vas-y, Bonu. Ouais, c'est Tommy. En fait, c'est les scènes comme je suis là qui me donnent pas envie de faire l'illégal, chacun son RP, mais j'arriverai pas à rester calme si je subis du no-fear, quoi. En fait, ça me dérange pas de me faire attraper, de me faire baiser, de me faire tarter, de me faire raqueter. Il faut vraiment qu'on ait une discussion avec les gens, Armando. Ça marche, MyG. Tu peux les appeler si tu veux. Ouais, pour le je pense qu'il y a un truc à régler, tu vois. Mais en fait, moi, ce qui me saoule, c'est de perdre comme ça. Ouais. Ils veulent débattre, ouais, mais ils contredisent tout ce que tu dis. Envoie-moi une position, toi et Moniric. Je vais venir avec un Armando, on va discuter. Il lui est rien arrivé à ton neveu. Ah, mais t'as un nombre, moi ça me saoule. Vas-y, envoie-moi une pause. Je le dépose à son truc là. Tu récupères tes affaires là maintenant. Yo, merci les Jeeps. Fais soin de vous, yo. Il m'a dit, je peux te vendre un match de cocktails. Les cocktails rouges là, que je vous donne à chaque fois, yo. Ils sont à l'arrêt. Oui. Ils sont plus à l'arrêt. On les pète ou pas, yo? Vas-y, let's go. Je les attaque comme un fou. Là, il va savoir qu'on les suit, tu vois. Ouais. Donc c'est mieux que t'attaques comme un fou. Attends, il se prendre. Non ? Ouais. Préférer la surprise ou en mode on bat des couilles en gauche direct, non ? Ah. Bon, allô ? Parti au bois à droite. Yo. Ils sont arrêtés, quel est le TD ? J'essaie carrément de suivre sans qu'ils s'en aperçoivent, yo. Voiture orange là-bas, Buffalo. Ils se rassemblent, là, je crois. Biganout ? Il y a une Buffalo orange qui monte là-bas, je sais pas si c'est eux, mais on va aller voir, yo. Ah, Little Seoul, ils sont arrêtés à Little Seoul là ? Vas-y. Elle t'a dit Little Seoul. Ok, j'y vais, yo. On sait jamais, mais vas-y, ouais, pas de galère. Il y avait une club. Hein ? Club quoi ça ? Club. Où ? Club orange garé sur le côté. Bah, là, moi, gauche. Moi, je suis lance à grand-mère, donc descendez à Yep à gauche et pétez-les, yo. C'est chaud ou pas ? Et vous allez les surprendre s'ils vendent de la dope pas loin, yo. Il s'est barré la club, merde. Putain. Les portières se sont pas fermées. Ah, oh, mais y'a du monde qui fait une soirée là. C'est ambiance de fou. Bouge pas, enfoiré. Ah non, yo, comment tu vas voir un mec qui roule? Comment c'est impossible, tonton, yo? J'aurais pas dû t'en... Non, mais on aurait dû. Je vous jure, on aurait dû rester en top. Je les avais vus, c'est. Regarde, là ils vont venir, regarde, les autres ils ont dormi debout alors que je leur ai dit vas-y, ouais, venez. Y'a pas de galère, t'inquiète, yo. Voilà, demi-tour, t'attends. Et, tu vois, et après ils vont me dire ouais, t'as du ping. Ah, y'a pas de genre courir dessus, yo, je te jure. Mais ils étaient garés à la base. Attends, appelle les dealers, je vais faire le mec qui fait un accident là, dans le coin où ils sont. Vous savez, ils vont tenter de nous braquer. Vas-y, appelle les vite fait là. Attends, préparez-vous, on arrive là. Ouais, on arrive là. Ouais. Ah putain, yo. Ah yo. Il est où l'autre? Pourquoi il est pas monté? Derrière, il est derrière. Ah ça, dis-moi. Raccroche, direct, raccroche. Tu sais quoi? Juste, je rappelle après la sortie, ok? Attends, rappelle.
Tu mets une fin, tu me retapes dedans, yo, aussi. Yo, il est vraiment con, lui. Il est vraiment con. Comme ça, il met une fin, et après, il revient tout droit. Il y a Buffalo derrière. Aïe. Laisse-moi. Mais il me vient sur moi, yo. Mais toi, dans un endroit, en fait, moi, je te vois faire des trucs de dingue, moi. Non, vraiment, c'est de speed, oui. Je te jure. Il a pas fait exprès. Non, oh, je me mets exprès. Des trucs de ouf. Ah, donc, c'est moi alors. Ah, je le touche, mais. C'est de speed, quoi, yo. Attention, il pré-shot. Hein. Attends, arrête-toi, je prends mon gun. Vas-y. Mais tu vois, la première fois, quand je vous ai dit, ils étaient garés. C'est là qu'il fallait leur rentrer dedans. Je sais pas pourquoi vous êtes restés derrière le mur. Parce que j'avais pas de visu, je voulais juste ouvrir. L'arrive, yo. Ah, je vous ai dit direct. Oui, mais moi, si j'ai pas de visu, j'ai pas envie de courir dans le vent. Mais et si ça, moi, je cours, c'est que ça deux voitures derrière nous, les gars. Deux voitures derrière nous, les gars. Ce que je te dis, c'est que je te dis, tu ne parles pas, tu me dis pas, je viens, ils sont quoi là. Moi, je vous ai dit, les gars, ils sont là, vas-y, viens, on y va, ils sont garés. On discute après, là, on reste concentré. Non, là, on discute maintenant. Et par contre, si je me suis à deux voitures, je vais les pétarder, yo. Ouais. En fait, le truc, c'est que si vous voulez, il faut qu'on arrive à péter une voiture avant que la deuxième arrive. J'ai vu la Buffalo là-bas, j'ai vu, ouais. Oui, mais moi je m'en tape, hein. Je chope. Ah, ils viennent, ils essayent de venir à 1 million, je tire. Ouais, pareil. Je parle pas, moi. Pas besoin de. Ça rien. Pas de négocier, leur dire de lever les mains. En fait, le truc, c'est que si on arrive à les piéger, on braque et tout, ils sont dans leur voiture et ils descendent et ils braquent, faut même pas chercher à comprendre, faut ouvrir le feu direct, t'as vu. Oui, oh, bien sûr. Voilà, c'est fini parce qu'ils vont juste attendre leurs potes et après ils vont dire, regardez, ils me tirent dessus et moi après. Ah, tu connais. Tu paniques ? Bah alors ? Hein ? Non, on est pas là à la club, on est au niveau de l'église. L'église là. Tu vas où ? Tu vas où ? Ouais, ils essaient de nous cacher. Tu vas où, yo ? T'es ma moite là. Elle s'est pas chuchotée la pauvre. Vous imaginez, tu vas où ? T'es ma moite là, tu vas où ? Viens ici, yo. Les gars, je chuchote, hein. Lui dites pas qu'on l'entend. Hein. Ici, yo. Bah non. Ah merci, merci, l'eau ça mouille. C'est jamais parce que je me dis à tout moment, il y en a un, il va pas comprendre, tu vois. 3 voitures. 3 tu revois. On ramène 20 caisses. Ah, y'a la club qui arrive en plus. On est où là ? Bah c'est pas grave, les gars. Ah, qu'elle est à droite, Buffalo à droite. Regarde. Je vais aller à droite, je dois rentrer dans une ruelle. S'il rentre, je dérape. Et on sort, on nous dit. Hop. Pourquoi il sort ? Bouge pas, Maïdji, bouge pas, yo. Stop, t'as pas. Reviens, c'est bon. Ça sert à rien, les gars. Ça sert à rien. Ne me dis pas, regarde derrière moi, regarde pas derrière moi. Bah, montez dans vos voitures, on part. Bah, montez dans vos voitures, on part, yo. Bah, monte dans ta voiture, on va partir, yo. Monte dans ta voiture. Bah, vas-y, bah, on monte dans notre survoi chacun et on repart. C'est bon pour vous ? Ouais, vas-y. Ton chef, il est ok. Vas-y, montez dans vos voitures, yo. Vas-y, balle. Pourquoi vous descendez ? C'est moi le conducteur ! Je vais rien dire. Mais attends. Non, il a dit on dérape. Non, il a dit je vais arriver dans une ruelle. Ok, regarde, je descends pas tant que tu descends pas. Vas-y. Voilà, parfait, yo. Désolé. Pas grave, yo. Ouais, moi j'avais compris comme Nas. Non, mais. Sur le drift là de suite. Oui, yo, mais. Bah oui. Non. En fait, je t'ai vu drifter, je pensais que c'était le signal, t'as vu ? Faut regarder la situation. Si tu vois que j'ai pas réussi à le keblo, c'est logique, tu vas pas descendre, yo. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Elle est devant nous là, j'ai failli tirer, yo. Regarde derrière. C'est pas grave ça, je m'en fous, moi, yo. Ils sont à 3 turbois. Mais oui, ils sont comme des dingues. Pas grave, yo. Il est rentré dans la ruelle comme un fou, putain, j'aurais pu. Le keblo, mais en fait, je me suis pas dit, il va rentrer comme un bleu. Je te jure, ça m'a surpris qu'il rentre comme un bleu. On descend, on peut braquer ça, attendre direct. Mais en fait, on roule. Ouais, mais on roule, on roule, c'est pas possible. T'inquiète, yo, t'inquiète. J'esquive des voitures chicken tous les jours, c'est pas eux qui vont m'arrêter, yo. C'est pas ces commandants de BMX qui vont m'arrêter, je te le dis, yo. Des deux caisses, hein. Ah ouais, là. Bon, moi, je me suis à deux turbos, là. Faudrait que j'en chasse une et que je la pousse à la faute, parce que là, deux turbos, ça va être relou. La club, elle a pris à droite, à la Miss Bank. La Buffalo, elle est derrière. Buffalo qui est en train d'arriver. J'analyse la situation, yo.
Là il est en train d'anticiper. Là il est derrière moi à la station. T'as vu monter? Ouais il m'a vu. Là il est en face de moi à droite normalement. Oh là il est là. Les rôles s'inversent. C'est derrière nous. Il n'avait pas v'là la détresse dans sa gorge. Il mouille de pétoche. Il mouille de pétoche. C'est quoi ça? Jure. C'est derrière nous, hermano. Tu mouilles de pétoche, tocard, avec ton accent de Roumanoff là. Arrête-toi là, Anne Roumanoff. Claro. One, ça va, monsieur Smith. Ils vont chez les chicken, yo. Moi, je les kebabs devant chez les chicken, mon fou. Je pense avant minuit, mais. Non, là, je peux pas. Vas-y, les gars, les gars. Attaquons tout ça. Moi devant le poste des chicken, pas le poste chicken, mon branlio. Ils ont récupéré leur G là. Regarde. Il a fait un doigt. Oh là là, il glisse. Oh là là, Arrête-toi, jeune pilote de BMX, yo, arrête-toi. Ah, fais demi-tour, ouais, t'as raison. Petite cochonne. Attends, moi. tu veux pas abandonner. Tu veux, moi ça me dérange pas, je peux lui mettre la pression. Non, va, parce que moi c'est Smith, il m'a appelé, je me suis dit peut-être mission il importante. Il a besoin de quoi? Bah, tu lui as répondu ou pas? Bah, tu m'as dit vite, et j'ai raccroché direct, moi. Rappelle-le. Et lui, la pression, il va faire un pet, Il va se massacrer. Il fait du froid en plus, attends, bouge pas. Allez, viens là. Oui, monsieur Smith, ça va? Excusez-moi. Ouais, super, dites-moi. Une petite chasse à l'homme, là, pourquoi? Dites-moi. Ouh, yo, désolé, pardon. Hein? Aïe, yo. Yo. Ah. Excusez-moi, j'ai pas compris, monsieur Smith. Ah, je suis. Je te mets la pression, moi. Je suis des petits gangsters, là, pour les choper, là. Je pensais pas qu'il allait tourner. Un convoi? Eh, hey, si t'as besoin de nous, on y va, yo. Écoutez-moi bien. Vous avez toqué à la bonne porte, monsieur. Yo, bah, vas-y, je laissais un mandospi, yo. Oui, de Monsieur Teddy, c'est ça? J'ai ça. Je veux le récupérer absolument chez le petit bâtard. Ok. Oh, j'espère de tout mon cœur en infusé à fond. Mauvaise raison. Bah, je crois qu'il est déjà parti. Je suis sur les coups de 22h45 en direction Bolingbrook. Mais yo, donc il est déjà parti là. Hitler qui pète et nous on le sort de là. Je sais pas, j'ai pas d'infos. Plus d'infos, on va foncer nous de notre côté. Ok, bah écoutez, on. Mais t'as ton gars qui va aller en prison! Mais tu prépares un plan! T'appelles pas 8 minutes après pour dire! Il faut absolument sortir mon gars de la merde là! Vas-y, sème-les! Le convoi il y a déjà taille! Attends, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur Smith? Il t'appelle 8 minutes après que son G il est décollé! Je pense qu'il voulait pas nous appeler de base, mais vu qu'il a trouvé personne, il s'est dit vas-y, je vais leur proposer des secours, les gars! Là, c'est un des vrais G! Après, malheureusement, c'est chiant, mais. Comme ça que je te jure, oublie le gars derrière. C'est pour faire quoi? Mais lui, on doit sauver un de ces gars, c'est un gars lui. Il est chipario. Vas-y, elle est belle. Reconvoi, autoroute direct. Et la voiture, elle est pas réparée alors. On est 4 dedans en plus, yo. Regarde-les. Tu veux prendre la club? Tu veux une club? Ils sont 2 derrière nous, les gars. 3. Ça va être 1? 2. Ouais. Oh, il est passé, il y en a une qui prend à droite. Ouais. Attention, là il s'est chié dessus. Oh. Ah ouais, le virage de. La gamin de 18 ans qui vient de passer le mi-père. Il reprend, il va revenir à droite. Et va là-bas. Allo. Un fou, lui. Ouais, ça va, Jack? Ramasse des Lego par terre là. Super, pas ton âge, moi, yo. Tu m'as raconté là que t'as pris quoi ta mauvaise nouvelle, dis-moi. Ah putain. Dis-moi. Et derrière? Ah, je sais. Qui ça? Mathieu, il va à Bolingbrook? Yo, comment ça? Non, pas Mathieu, oh, jamais. Mathieu, c'est un mec honnête. C'est un mec honnête qui dit. Non, il va pas en prison, lui. Oh, j'ai une idée. J'ai une idée, les gars. Ouais. On va attraper la primo, 100% pratiquement. Ah, attends, je te rappelle. Regardez ce que je vais faire, regardez. Je te rappelle, hein. Faut qu'elle me suive. Hein. Oh là là, les gars, presque à 1000%, on capture les mecs de la primo. C'est bon pour vous ou pas? Vas-y, c'est carré.
Faites-moi confiance. Il faut laisser tomber le truc, monsieur Smith, si on est sûr pas. Ah, je suis hype sa grand-mère, vous êtes hype ou pas? Vas-y. Ouais. Regardez bien. Bientôt. Ça va être là. Peut-être sa grand-mère. Oh là là. On bouge là plus, bande d'enfoirés! Les mains infidentes, yo! Descendez là! Descends, bande de. Je suis un crack ou pas? Je suis un crack ou pas? 3 sur IQ ou pas? Celle-là, je l'accepte! Celle-là, je l'accepte si vous me dites que je suis un 3 sur IQ! Je suis un 3 sur IQ ou pas? Merci, passe-moi de téléphone. Nickel. Yo, dans allez, l'aventure, bande d'enfoirés! Allez, hop, hop là. Attendez, mais y'a pas de passe pour les deux, yo! Ouais, démarre l'orange et vous allez conduire avec eux, yo! Ah ouais? Elle est morte, non? Attendez, faut prendre une autre survol là! Ils sont au-dessus là-bas là! Ok, je lui mets. Ils sont en buffalo là-bas! Deux, là. Vas-y, y'a une buffalo là-haut, vas-y, roule! Je vous suis! Non, je vous suis, je vous suis, vous, yo, roule! Busy friend de la drogue croissante! Alors, vous en pensez, t'en penses quoi, ton Thomas? Excellent! Franchement, excellent! Yo! Ah ouais, Toka! Eh ouais, Lady! Vous pensez à un mec qui connaît les voitures comme sa poche, yo! Je le savais que la primo ici elle passait pas, yo! Eh ouais, putain! T'es pas un amateur, toi! Oh. On va te montrer à quel point on est professionnel! Ouais, j'en doute pas, les gars! Ah ouais, elle est magnifique, elle est méchante celle-là, franchement. Ça, je suis heureux de baiser, les gars. Ça fait longtemps que j'ai pas été satisfait comme ça de faire un coup sur GTA. Parce que j'ai l'habitude de la conduite et tout, des trucs, des buissons, des machins. Mais là, ça. Là, je suis fier de moi de vous. Merci Gravier pour les sacs, pour le subopère. Merci le Jean King pour les sacs, merci Pepper pour les sacs. Merci Seul pour les sacs. Merci les gars, merci pour la force, merci les champions. Je récupérerai de pétards. Tu vas récupérer une paire de baffes dans ta putain de gueule, c'est tout ce que tu vas récupérer, Tokar. Yo. En vérité, on vous aurait pas chassé, les GC. On avait pas eu des menaces comme quoi vous allez nous rattraper pour nous récupérer deux pétards, yo. Mettez-vous contre le mur, là. Au sol, je veux vous voir au sol. Y en a un avec vous, non? Ouais, y en a carrément avec nous, ouais. Si, si, y en a avec nous, yo. Ah, oh, mais c'est l'autre GDR, yo. Oui, c'est vrai. Vas-y, rejoins tes. Allez, avance, t'es G, s'il te plaît, enfoiré, va. Putain, yo, y'en a marre de ces conneries là. Oh là là, comment qu'elle est trop méchante. Yo, les G, vous pensez faire quoi en voiture face à Big Dips, yo? Vous êtes sérieux ou quoi là? Un couteau, des munes. Attends, meilleur, qu'est-ce que j'attendais? Non, je voyais pas où t'allais, mais banger, franchement. J'aimerais trop voir leur POV. Bah, tu l'as pris quand même une fois, t'as pas oublié. Ah non, j'ai oublié. Je me suis servi de ce qui m'est arrivé, les gars. Regardez, non. Putain de pétard, sale toca. Hein? Un pétard. T'as kiffé Goffman? Une munition. Prends-lui le pétard, prends-lui le pétard à l'autre aussi. Tu donnes rien du tout, je t'assure, tu donnes rien du tout. Je pense vraiment. Non, non, on va discuter. Attends. T'es en position. Yo, tranquille, G. Je t'assure que je vais pas te donner de pétard. Non, écoute, mais là, moi, là je vais te prendre un pétard, je te le prends et tu vas fermer ta bouche. Attends, avant que mon frère je vais te parler. Ouvre encore écoute, ton cul comme tu viens bien de le faire, je ouais, te... voilà. Écoute-moi bien. Direct. J'ai pas. Redis-moi encore, je sais pas on quoi. On va la discuter, tu d'accord. Peux me dire quelque chose, je vais t'allumer. Mais tout les trucs, tu lui donnes pas, tu fais pas ça. Je vais te mettre une balle dans la nuque et l'histoire, elle est réglée. D'accord. On va discuter et on va apaiser les choses, ok. Ça va rien de s'énerver. Yo, let's non, parce que là, je vois tes. C'est rien, tu yo, vite c'est la hure. Régler la situation, c'est pas non, comme non, ça. Non, c'est non, non, mais surtout, tu vas arrêter de faire le tendu là, ici, parce que je vais tarter cette fois d'affilée. Tu vas traverser une époque. Tonton As, venez, on passe à autre chose, let's G. Regardez ce qu'on va faire. Là, moi, j'ai une question à vous poser, yo. Hier, quand on vous a rendu votre G qui est juste là, vous avez dit quoi, yo? Je viendrai récupérer mon pétard. Pas seulement, my G. T'as dit que t'allais en récupérer deux. T'as dit que t'allais carrément récupérer. Mais non, d'accord, t'allais, mais ce que t'as dit à nous, c'est que t'allais en récupérer deux. Ce que je dis et ce que je fais, c'est pas la même chose. Bah oui, Mighty, mais si tu me dis que tu vas me tirer dessus, moi je vais préparer à ce que tu me tires dessus. Je peux pas. Tu peux pas prendre une batte de baseball. Ah oui, yo. Je peux pas lire dans tes pensées. Moi, si tu me dis j'en récupère deux, moi dans ma tête, je me prépare à ce que tu m'en récupères deux. Logique, yo. Ça va ou quoi, j'aime. C'est quoi là? Qu'est-ce que vous nous voulez là, concrètement?
Hein ? Non, 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 je veux juste récupérer mon pétard, c'est tout ce qui va se passer. C'est ton pétard, tu vas pas le récupérer, d'accord ? Le pétard que j'ai pris, c'est le mien. C'est à cause de tes gars qu'ils ont. Je te baffe, toi. Et à quoi ? Vas-y, tranquille. Y'a rien. Voilà, super. Super, reste mignon, s'il te plaît, ok ? Le pétard que j'ai récupéré, c'est le mien. C'est pas le tien. Ok ? T'as qu'à dire à tes hommes qu'ils arrêtent de pouki aux gens que j'avais une arme. D'accord ? À ce moment-là, on ne l'aurait pas prise. Et je t'aurais pas fait chier. Merci 100k pour le quatrième mois, merci beau gosse. Ok ? T'as quoi à me proposer là ? Attends, dans ton monnaie, je peux lui dire un que truc, enfin leur dire un truc, parce que moi je considère les trois personnes, yo, y'a pas qu'une personne, je parle aux trois, yo. Du coup, moi ce que je voulais vous dire, Ledji, c'est que dans ton monnaie, il est très rang dans le magasin de vêtements pour Kebra. Bon, vous avez fait ce que vous avez fait. Mais dans l'équation, il y a un enfoiré qui sécurise la mairie, donc du coup, entre guillemets, un ennemi commun, quoi. C'est comme si c'était un chicken qui a balancé comme quoi Tonton Monarich avait un flingue, yo. Ok ? Mais vous, il vous a pas balancé. Donc je sais pas s'il a. Sûr que c'est. Ah, mais vous avez pris la teufuie ? Vous avez pris la teufuie ? Mais mal. Mais là, okay. À l'heure actuelle, j'ai deux unités de police qui ont débarqué chez moi pour fouiller tout le monde contre le mur. Ok, yo. Mais regarde, le que truc, c'est que si tout s'était bien passé, les G seraient pas rebellés. Tonton Monarch serait pas au sol et l'autre il aurait pas Poucaf. Donc actuellement le pétard que mes tontons, Jadja et moi, ayant récupéré, c'est à cause du mec de la sécurité. On est d'accord sur ça ou pas, yo? Et en vérité, le gars de la sécurité qui te ramène un gars. Ouais, yo. Qu'est-ce que tu me fais chier là? Moi j'ai récupéré le mien, ça y est, l'histoire elle est réglée. Merci Scarf pour l'abonnement au niveau et merci beau gosse. Qu'est-ce que tu me fais chier là? Tu le ketchup, tu le dis écoute, yo. T'as vu? Tu peux pas trop prendre un flingue sur des mecs comme ça, ils sont sécurisés. Mais là, tu expliques bien la situation. Et normalement, ça passe crème, yo. Tu lui dis, à cause de toi, il y a un mec qui a perdu un pétard dans la hure. Machin chouette, blablabla. Tu récupères ton joujou, yo. Après, faites comme déjà, vous voulez, hier. Merci Zdaï pour ce beau faire. Tu dis à mon frère, on a pas de Glock. On vous fouille, tout le monde a un Glock. Merci à Brisa pour le 5ème mois. Merci, beau gosse. Merci Scaris pour l'abonnement. Merci 100k, merci les gars. Ouais, c'est bon, j'ai capté. Allez. Bah, un sou, on se sert bon, dans vos poches, c'est tout alors. Vas-y, décalé les gars. J'ai capté. Attends. Allez, je vais pas parler. Ok. Vous êtes prêts à la discussion, vous les gars, ou pas? Ouais. Super, c'est ça qu'on aime. Discuter. Oh, Optimus Prime. Discutons, les gars. Attends, ce Jimmy le fait lui des soins, yo. Il est en train de saigner du bras là. Je m'en tape. Il va rester comme ça. Non, attends, laisse-le. Qui meurt, yo. Vas-y, aide ton G là, celui du milieu. Vas-y, frère. Il a un garrot. Donc, lui s'appelait, yo. Je dis direct, les mecs, faire les temps d'axe là, ça va ramener rien. Ouais, on parle. Faire vous le dire, je parle pas, je fais rien. Là, je suis encore ouvert à la conversation. Proposer pour le moment, c'est tout, j'ai pas. Mais c'est pas de chance. Je fais quoi? Je te relâche. Non, mais non. Attends. Et bah justement, pourquoi tu restes pas sur ce fil-là? Parle un tout petit peu plus fort, s'il te plaît, MyG. Tiens, je te rends ton cut. Tu parles vraiment doucement, là? Tu chuchotes, non? Ouais. Ouais, je chuchote, plus fort. Bah, s'il te plaît, yo. Ah ouais, excuse. Ouais, merci, MyG. J'ai un gaz baiser sur moi. Tu sais ce que j'allais faire? Tout simple. J'allais te demander mon gun et te passer un gaz baiser. T'aurais fait ta bijouterie, t'aurais remporté ton gain. T'aurais pu racheter un gun. J'aurais fonctionné comme ça. Mais yo. Mais ouais, mais le truc, non, écoute, c'est pas comme ça. Ouais, mais MyG, ton ouais, voilà ton équation. Faut que tu te dises que ça peut pas se passer comme tu as prévu, tu vois ce que je veux dire. Là, ça s'est pas prévu comme ça t'es prévu. Là, tu veux un truc, bah prends mon gaz BZ et puis c'est tout. Non, regarde, moi c'est ça où je t'ai dit, on va discuter. Je te donne mon avis personnellement à moi, Monerich, ok? C'est une guerre de merde. Concrètement, moi, hier, j'ai récupéré mon dû, comme il a dit mon frère, et nous, ça, c'était fini. Mais du moment où les petits chez moi, ils m'appellent, ils me disent, écoute, il y a des véhicules, tel modèle, telle couleur, plaqué comme ça, tatatan, qui tournent au Biganout. C'est où, ça? C'est le LTD. Oh, mais t'es sérieux, je connais pas le Biganout, là. C'est quoi ce bordel là? Le meilleur restaurant de Los Santos, c'est la théon de fou, yo! Eh, j'accepte pas sans moi! Ouais, mais moi, quand des petits chez moi me disent ça, et que je repense à ce que tu m'as dit hier, je vais vous choper, je vais prendre des pétards, bien sûr que je me mets sur mes gardes. Regarde-moi bien dans les yeux, toi, regarde-moi dans les yeux. Attends, s'il te plaît, tonton Monarch, parce que là, j'ai pas accepté. Regarde-moi bien dans les yeux, là, t'as compris? Regarde-moi comme ça, là, ok? Je regarde comment, là. Ok? Yo! Ouais, bah ça va vraiment pas, là!
Mais c'est plutôt à toi qu'il faut dire ça. Le Big Anout 24-24, 7/7. T'as besoin d'un petit menu, tu te rappliques. Comment il commande chez toi? Bah voilà, ça veut dire que t'es au courant qu'il commande chez moi, yo. Eh ouais. D'ailleurs, de base, mais vraiment de base, on vendait de la cam à des gars de chez toi. On leur donnait du bise. C'est vrai ça. Mais tonton, il les a rangés, yo. On les a rangés de fou. Donc c'est pour ça que je te dis c'est une guerre de merde. Moi, j'ai juste récupéré mon jus hier. Toi, maintenant, tu me dis, écoute, mon riche, je peux rien pour toi. Là, j'ai rien à te proposer. Et la guerre, c'est la guerre. Bah, la guerre, c'est la guerre. Et là, je te demande. Là, j'essaye de trouver un arrangement entre toi et moi. Bah, là, il t'a trouvé un arrangement. Tu penses quoi, tonton Monarich et tonton Nas? Il va donner le gaz BZ. Non, il a dit gaz BZ et on lui rend le pétard. Moi, ça m'intéresse pas. Moi. Non, pétard, il a dit là, il te donne le gaz BZ vu qu'il a pas réussi à nous attraper. Yo. Ouais, mais après, le gaz BZ, il dira quoi? Une fois qu'il repartira, c'est lui. Bah, il y aura ce qu'il y aura. Ouais. Il y aura ce qu'il y aura. Il y aura ce qu'il y aura. C'est pas parce qu'il va me lâcher un gaz BZ que. Ouais. Qui va lâcher le steak. Et après, c'est. Ah, bande d'enfoirés, vous êtes rancunier, moi, je le vois bien, vous êtes rancunier, yo. Mais après, c'est la hure, je peux comprendre, yo. Ouais, moi, je suis rancunier, moi. Après. Après, non. Tu vois ton histoire. L'histoire, elle est tellement débile que je pense que c'est pas les couilles, en fait. Ah, je le dis depuis le début, hein, depuis hier. L'histoire, elle est super débile, c'est que t'as des fous de la gâchette qui savent pas dialoguer. Donc, au lieu de dialoguer, ils préfèrent shooter les gens. T'imagines bien qu'un Glock 20. Ça tourne pas dans la ville comme un putain de Glock normal. Tu peux pas me faire perdre un pétard pareil sur un move de Zgeg où tu sais pas parler. Tu m'as donné un Glock normal. Moi j'avais un Glock 20. Tu comprends? Ça veut dire même hier, regarde ton gars, il était présent, il est là. Hier on a même dit écoute, tu l'appelles un Glock. S'il a pas un Glock, dis-lui il ramène le modèle qu'il veut. Mais je veux un pétard. T'as ramené un Glock? Bien sûr je vais le prendre. Mais ton gars était moi. Il aurait ramené n'importe quoi, on l'aurait pris, Maïdji. Hein. Il a été. Juste par le geste, tu vois. Ouais, je capte. On est. Mais tonton, il m'a appris quelque chose, je vais vous dire quelque chose, les Sissibi. On est des G, on fait des sales coups, mais on a des valeurs et on s'y tient, yo. Si on a fait perdre quelque chose via le billet d'un enculé de la chickenerie ou d'un mec de la Rime, mais la mairie c'est pareil. On se dit, c'est normal, t'as vu, c'est comme ça, c'est la hure, yo. On a entre guillemets merdé, au lieu de parler, on a tiré directement. Il y a une poucaf qui était là. Faut y penser aussi, tu vois, il y a une poucaf qui est là, qui quiebra avec vous. Yo, il y a un problème dans l'équation sur le coup, mais tu vois. Mais t'es fou, il y a un mec qui me braque, il a rien à voir dans l'histoire. Un mec, bah ouais, la sécurité. C'est comme si vous aviez braqué avec un chicken, ouais, c'est comme si vous aviez braqué Toto Monerich avec un flic, yo. Moi, j'ai un truc à dire, moi. Ouais, vas-y, yo. Pourquoi vous, le pétard, vous allez pas le récupérer justement à la snitch? Pourquoi c'est à nous de le récupérer alors que c'est vous qui l'avez perdu à cause de la snitch? Parce que vous avez tiré sur tonton Monarch aussi, Maïdji. L'action, elle démarre de vous. Elle démarre pas de la snitch. Moi, j'étais pas là pour ça, j'essaie de me renseigner, les gars. Ah là là, mais la snitch, c'est après qu'elle opère, mais elle, on va l'attraper, c'est pas un problème. Mais la perte du pétard. Et même, c'est un affront, les gars. On est des mecs de la rue, mon frère. Tu tires pas sur mon frère comme ça. J'étais là, moi. Tu tires pas sur mon frère comme ça. Alors qu'il a un putain de mec à toi, avec le calibre sur la tempe. Quoi, c'est quoi? C'est du bétail, vos gens. Moi, mes gens, c'est pas du bétail, mon pote. Bah ouais, yo. Chaque mec de mon équipe, c'est mes frères. C'est mon sang. C'est... J'ai une affection pour eux. Et c'est ce qu'on a dit en plus, tonton Monarich, tonton Nas et Jaja, Oji qui est juste devant moi, là. Bah, on lui a dit. Hier, ça nous faisait de la peine, carrément, que le G au téléphone, il a dit, au début, c'était un peu, fais ce que tu veux de My G, t'auras rien. Mais nous, t'as vu, ça... On est des G de la hure, on fait du le sang. Mais on a de la peine pour les gens, yo. J'ai dit, vas-y, je vais enlever mon peu de stock, vas-y, tranquille. Et d'abord, tu vois là. Bah, vas-y, file le gaz de la hure, c'est bon. Tiens, prends ça. Ma femme n'en peut plus t'entendre tous les soirs. Nickel. Désolé, pardon. Excusez-moi. Bah, écoutez, on va voir la caisse là, les OLS Custom, hein, là, elle a l'air bien pétée. Elle est démontée. Et je vais jeter vos pétards et vos téléphones au bout du tunnel là-bas. Vous êtes tranquille. Yo, juste une petite question là, les G. Dis-moi. Vous y attendez ou pas à cette petite filouterie que je vous ai fait, yo? L'arbordien. Ouais, yo. Moi, je savais que ça allait taper. Je te mens pas, moi, je pensais que ça allait pas taper. Je croyais que j'allais arriver bien après l'arbordien. Je veux dire quelque chose. La souris qui s'est déjà fait voler son fromage sait comment s'utiliser le fromage de son adversaire. Moi aussi, je me suis déjà fait baiser par ce trottoir en primo. Ça rancune, les G. T'inquiète. Allez, Wagwan, les gars. C'est bon, ça va. Là, tu sais, ça va ou quoi, Space Manino? Tu vas bien, beau gosse?
pour mon gelé, c'est littéralement déchiré. Je leur ai fait une big deep série comme ils l'ont jamais vu. Oh tranquille, y'a rien. Eh, appelez-moi Big Tips au lieu de Big Dips si vous voulez des petits plafonds sur la route. Bisous les G. Vas-y, on va. Gaz. Je vais vous dire un que truc, hein, ça reste entre vous, c'est moi. Vas-y, G. Bon, on se bagarre un peu avec les CCB, ok yo. Ouais. Et tout à l'heure, ils étaient en train de me courser à 3 turvois. C'est de m'anticiper dans tous les sens, etc. Yo. Ah, ils me coursaient à une turvois, mais deux qui m'anticipaient. Ah, ils sont chauds. Malheureusement, ils, vraiment ton cul. Ils suivent Dips Big, yo. C'est des fous, eux. T'as fait quoi? Et ils ont décidé de suivre Big Dips en primo, yo. Sauf que moi, la primo, je l'ai conduite pendant 2 semaines et demie. Je la connais par cœur et je sais où elle passe et où elle passe pas. Mm-hmm. Je les ai emmenés à un endroit où je m'étais retourné avec ma primo. Ils sont retournés. Comme un chef. En 2 semaines, tu connais par cœur une caisse. Pas mal. Non. Ah bah non. En une soirée. En une. Non, c'est ça ton problème, Big Jeep. Bah, c'est toujours t'abuses. Non, t'abuses. Je vous jure, le G. Ouais, mais je vous jure. Mais je conduis. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais je conduis de voiture. Vas-y, tranquille, t'as un maxer. T'as un maxer. Oh. Croyez pas, yo. C'est 2 semaines à une soirée. Non, j'ai... Ouais. Non, j'ai dit. Ça faisait carrément 2 semaines que je la conduisais. Donc je la connaissais extrêmement bien. Mais il me faut. Okay. En vérité, il me faut 10 minutes pour bien comprendre une voiture, yo. Allez, abuse. Abuse, toi. Écoutez, et les dix. Putain, t'es le maxeur de la street. Eh, regardez, on va faire quoi? Ça est quoi? Soir ce, je vais vous trémon. Je vais vous trémon, yo. De toute façon, ça a rien de parler. Et moi, 10 je suis. Minutes. Écoutez, vous avez vu votre survoi là? Je les ai jamais conduits de ma vie. Je les ai jamais conduits de ma vie. Je vais en conduire une, vous allez voir ce que je vais leur faire, yo. C'est quoi ton style de caisse? T'aimes bien les rapides mais lentes sur les virages, tout ça? Ou non, les... je crois que j'ai déjà vu avec une petite là passée. Moi, yo, les dix, j'aime bien comme une survoi qui a une accélération minimum, une bonne petite accélère et qui a une très bonne maniabilité. Le reste, je m'en bats les couilles. Franchement, je t'aurais passé lui pas l'heure. Mais le problème, c'est qu'elle va pas hyper vite. Moi, pour moi, un bon pilote, les G, c'est pas un mec qui sait que conduire une ou deux voitures. C'est un G qui sait s'adapter à toutes les turvois. Après, il y en a qui sont plus ou moins éclatés contre le mur. Et tu peux pas faire grand chose. Mais il y a toujours moyen de s'en sortir, yo. Vas-y. J'ai établi une liste avec les voitures avec lesquelles j'ai semé les chickens, yo. Vas-y. Bien sûr, yo, moi, je suis un zibar de la terreau. Là, les turvois que je vais t'énoncer, c'est des voitures que j'ai volées dans la hure. Donc des voitures de civils non custom, yo. Alors, j'ai semé avec la Ruiner, tu vois c'est laquelle, yo? Ouais. La Blista, la Clio 3. Ah, la ouais. Massacro. La Panto. La Felon. La Futo. Panto. Ouais, la Panto, yo. Non custom, dans la non rue custom, comme ça. Dans la Air Mage. Ouais, mais je sais pas où tu les as semé. La Futo. Comme ça, Panto. La Buchaner, ouais. Tu vois c'est laquelle, yo? Ça me dit un truc. La Buchaner, c'est la muscle car là que tu vois dans la URD. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. La Fusillade. La Easy là, la Mini Cooper décapotable. Ouais. La Banshee, bon la Banshee ça roule pas mal, yo. La décapotable, tu sais laquelle? La Viper. Ouais. La Dominator là, la muscle car. Ouais. La Alpha, la voiture de place. Nul. La Rhapsody. Tu vois c'est quoi la petite voiture, la voiture de Rabbi Jacob là? Sans custom ça? Yo, ouais, dans la URMG. La Surano. Les cops, ils ont déjà commencé. Vas-y, hey, il dit des blasts de foot, moi je suis no custom, genre ils ont braqué dans la rue. Oracle XS, Tornado, Tornado, ouais, c'est laquelle ou pas la Tornado? La Tornado, c'est une caisse à l'ancienne éclatée contre le mur, yo. Tornado, c'est pas un rappeur, t'as. Non, mais il ment, déjà de base, c'est ce qu'il m'a dit, il a vu ce qu'il est non custom, une voiture comme ça, la Rhapsody. C'est la petite. La Rhapsody, la Rhapsody là, la voiture. Ouais, non custom, non rien, il l'a pris dans la rue. Très pour ça, je te dis, lui, il est. La Vigero, la Vigero, ouais, c'est laquelle la petite muscle cario? Mmh, ah, non. Mais c'est Big Chips. Attention. Mais c'est pas Big Chips. Si, c'est Big Chips. C'est Big Mito. Non. Yo, c'est Oussama Ammar. Yo, comment ça? Il enlève les vœches. C'est Oussama Ammar. Ah, mais c'est. Ah, mais écoute pas. Yo, célèbre, yo, quoi? Ah, ouais, Oussama Ammar. Pousse-toi sur le canapé là pour voir un petit truc là. Attendez, les Jim, je vous dis, après mon croyant nom, je m'en fous, yo. Alors là, je sais que vous allez pas me croire là. J'ai semé les chickens avec un caddie de golf, yo. Ouais, bah continue. Il a dit quoi? Il a dit golf. C'est celui de golf. Ouais, moi j'ai pris un cadio LTD là-bas aussi, je fais une poursuite. Yo, Asterop, Seminole, Abanero en pro. Ah, bah tu la connais l'Asterop alors? Ouais, mais c'est l'Asterop toute pétée qui est dans la hurle, pas la vôtre là. Ah, ok. Seminole, Abanero en pro, Stratum, Zirconium. C'est un vieux barrique qui avance pas, yo. La Glendale, la CA, le Canis Mesa. La Felon GT, ça décapote. Avec tout. Vulcar, Ingo, la Radius, un Yuga
et une fugitive. Allo, tonton Monaïch. Ouais, allo. T'as vu la nana du café? Ouais, yo. Tu veux son number? Tu veux la plainte anonyme? Ouais, c'est ça. Et tu lui as dit qu'on était des MOB? On lui avait dit, je crois, quand on était allé chez elle. On lui avait dit. On lui a dit on avait dans le checker à côté, etc. Non, on a carrément pas dit nos blazes, yo, pourquoi? Ok. Vas-y, je vais l'appeler parce que le mec il peut me livrer du lait pour demain. Il m'a dit aujourd'hui yo, impossible. Allez, je te demain, glisse son number tout de suite, tonton. Vas-y, Wakwan. A tout, yo. Ça me fait mal au cœur que vous ne croyez pas, Ledger. T'es quel film t'es sorti, Big Jibs? Oh, bah je vous le dis, vous ne croyez pas, ça me fait mal au cœur, yo. Mais tant pis, c'est pas grave. Oh. Vas-y, Snake. Tant pis. Il a 4 caisses derrière lui, Biké. Ça veut dire là, il va essayer de lui faire un plan 1000 Moody. Yo! 4! Mais pourquoi 4 sur voix? Il a fait quoi? Il a explosé la mairie? Je sais pas. Yo. Il en a 4. Il a braqué des otages. Il y avait qui dans les otages? Il y a les maires. Le problème, c'est que c'est Biké qui conduit. Biké, quand il y en a 4, 2, 3, il commence à stresser. Tiens, les gars. C'est-à-dire, c'est dit, j'ai pas la ref, gosse. Je vais leur faire le rabais. Je t'emprunte ta moto, c'est bon le G. Il va faire un plan mule là? Ouais. Tu vois la Warner, la rouge là? Ouais. Quand je suis arrivé de Compton à Los Santos pour que mes tontons m'apprennent d'ailleurs, ils avaient celle-là en bleu. Parole, on a fait une prise d'otage sur Chicken, on avait un chicken dans le coffre, on était qu'un dans la voiture, je les ai arrachés. Wax qui en. Dis-moi, t'aurais pas une petite cuillère là dans ton petit sac de beau gosse là? Non, mais si tu veux, je peux carrément mettre une position, prendre le volant de Vojix en course poursuite et semer les chicken. Vas-y go. C'est quoi là, tu revois, c'est la Sterop? Non, au contraire, il a une Paler Helix. Il parle à Alex, ok. J'ai jamais compris. Elle est sur ta liste ou pas? Non, c'est le moment de la rajouter. Ah, c'est comme un Pokémon, hein. Go. Yo, je vais remplir le Pokédex. C'est où? Ils sont vers où là? Monte. Vas-y. Yo, yo. Je vais les appeler tout de suite. Vas-y. Tu connais un petit point où il peut venir te chercher? Tu peux monter, t'as le temps de monter? Ah, faudrait qu'il me récupère, yo. Vas-y. Il va passer par où là? Il va arriver derrière nous? Là, ouais, derrière nous. Tu veux que je me mette quelque part? Donc moi je descends et je monte dans la voiture là. Ouais, direct. Bah vas-y, bah j'attends qu'il arrive. Vas-y, au pire, cache-toi là, derrière le petit mur ici. Là. Ah non, parce qu'il va arriver là, le volant il va être ici s'il arrive en face ouais, de moi. C'est vrai. Ah ouais. C'est vrai. Mais ils vont nous bloquer, yo. Ici c'est pas un très bon plan. Non? Tu veux que je me mette où? Pas trop tard, Maïdji. Ici à gauche. Get in the car, get it, take it. C'est la voiture qui dérape le plus, yo, ça. Salut les G, ça va quoi, yo? Everything is gonna be right. Bah alors, on va voir qui se poupe dessus maintenant, bande de goofy. Bande de gang shit pooper. Ok, yo. Elle dérape fort cette voiture, mais elle a pas de galage de Malteser. Je vais essayer de voir ce que j'ai entre les mains là. Ça va, je te l'ai pas trop fake, man. Yo, super ça, Mighty, beau boulot. Elle est large en plus, hein. J'ai réussi à en smoke une, mais vas-y. Je te jure, je m'adapte à la voiture de Spi là. Non, t'inquiète, fais des tours, tranquille, hey, on a mis plein juste pour toi. Yo, carré qui là, je vais te voir le plan, ça fait plaisir ça, yo. Là, il dit c'est bien cher. On a payé pour toi. Yo, merci Ledger, mais j'avais un bidon, fallait me dire. Non, everything is gonna be right, ok. Okay. Je capte un peu le queutru là, je vois que c'est une épave. Ok, t'as capté. Là, t'as bien compris là, for real. J'ai capté le bail, yo. Mais tu sais le nombre de fois qu'on les a tués avec celle-ci, en plus c'est ça le pire. Yo, mais vous êtes vraiment des tueurs en fait, vous êtes des pilotes, vous j'ai capté, yo. Non, c'est juste que c'était des épaves derrière aussi. C'est des pilotes d'éléphants derrière, c'est ça. Ça c'est une carte qui passe des rookies, ça, c'est bien côté rookie. Qui vous a dit d'acheter cette turbo aussi? Ah bah le Audi a mis elle a du flow, elle a du flow. Ouais, mais le problème. Oh yo! Yo! Explosion in the back fog. Yo, ça pète les tiers, putain, à couvert, yo! Alors c'est bien qu'elle ait du flow, mais si sur la route elle a du flop, ça va parler. Ouais, ouais, c'est vrai qu'elle a tout match flop là. Bon, je vais vous montrer un petit truc, ok? C'est... C'est fait maison, ok? I'm gonna take my notepad. Ok, on regarde bien. Open your eyes. Ok, like this. Wouh! Bon, mais c'est connu. Ok, ok. C'est too much. Ok, yo. C'est nickel. Ah bah, ouais, dis-moi, boy. Ils m'ont vu ou pas, yo? Non, et tout. Ah, attends, quoique. Non, anyway, nobody see you, nobody okay, see you. Ok, c'est carrément dit. Parfait, les gens. Non, c'est too much. Yo. Ah, là, c'est trop, là. Vos gars, là, j'étais en train de parler avec eux. Ils me disaient, ouais, tu mets combien de temps t'adapter à une nouvelle survoie? Je leur ai dit 5-10 minutes. J'ai mis combien de temps, là, yo? Tu mets 2 virages, I think, maybe. Voilà, yo.
pourrais la retransmettre à votre chaise. D'ailleurs, je vais l'écho, je vais dire que c'est dingue déjà. Non, là, c'est hein. Carré, là. Ah, c'est quoi, c'était dingue, ça fait une heure au tournoi. Eh, les a broyés, je suis choqué, mon boy. Il est arrivé fuck, l'autre, elle a rien compris, elle s'est mangé l'arbre dans la haine. Bah, bien sûr, yo, un petit mur Gouvani, ça fait de mal à personne, le Jizz. Like this. T'es au casino? Comment ça, casino? Il est là, le Jizz, les gars. Écoute, écoute, passe au quartier, c'est ce que tu vas faire. Attends, regarde ce qu'il fait. Ramenez-vous, ramenez-vous. Je vais dans le coffre du quartier des armes, tu récupères une boîte qui a mon nom, il y a marqué Richie normalement. Une boîte de munitions. Tranquille ou quoi, moi, Edgy, pépère la famille. Ouais, ça va. Vas-y, tranquille. Je une pause. Bon, écoute, là. C'est des nains, ils portent l'autre, c'est des chicks qui ont déjà fait la preuve dans la hure. C'est des mecs qui quebrat, tu comprends, Maïji. Là, donne-moi le plafond, les jambes, et on fait mon sur le couillon. Il t'a donné le plafond, c'est bon. Yeah, yeah, yeah. Ah, tu lui as serré la main ou je le fais? Yeah, c'est bon, je viens de lui serrer la main. Ok, là, tu prends ton PGS, Maïji, position géographiquement repérable, et tu regardes tout en haut à droite. Tu devrais avoir un point rouge, yo. Oh, yeah, yeah, for real, for real. Yo, on décolle, Maïji, ça va quebrat, yo. Vas-y, vas-y, on y va, on y va. Ah, je te laisse démarrer là, tu revends, je prends les clés, yo. C'est moi le fucking Richie boy. Vas-y, Richie Deluxe, yo. Vas-y, vas-y. Ok, ils sont en position, les gars, ils sont prêts avec les otages. Hein. Ok, yo. Ils vont se faire tirer dessus, hein. Dis-leur de se mettre à l'abri. Attends, passe juste au quartier avant, passe juste au quartier avant, vas-y, pas direct. J'espère en pas se faire chasser par les chicks, putain, yo, c'est parti, là, Jizz. Et moi, rendre ma technique, si vous voulez en faire une autre, vous la faites, yo. Moi, je vais toujours par là parce que vu qu'ils sont armés, les Jizz. Ils peuvent nous pétarder, ok. Donc, je viens là, là, t'as vu, là, je suis sécurisé ici. Après, je progresse, j'essaie de voir où ils sont. On est pas, t'es passé devant nous, boy. Ouais, t'es passé devant nous. Ouais. Derrière toi, derrière toi, derrière toi, regarde. Et après, je me planque là. Et t'as vu, ils sont à gauche là-bas. Ils sont là, les mains, ils sont là. Y'en a qui ont pas d'armes, yo. Donc, eux, t'as juste à leur mettre une balle dans la tête et c'est réglé. Eh, vous avez pris les disqueuses? Vas-y, une, ça va suffire, t'inquiète, Maïji, c'est bon, une. Non, mais je crois qu'ils en ont une façon. Qui c'est qui est pétardé, yo? Bon, y'a moyen qu'ils aient pas d'armes. Souvent, il y en a un seul qui a un pétard, mais des fois, y'a une automatique ou un pompe. Donc là, ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher du train en vous planquant derrière la ferme qui est en face de moi, yo. Comme ça, vous êtes à couvert. Vas-y, c'est bien. Ah, soit défaire les Jizz. Un qui reste avec les otages. Yeah, yeah, ouais, j'ai restez planqué, attention, attention, te mets pas à découvert, Mighty. Te mets pas à découvert. Tu vas te faire fumer, yo. T'es gaffe, Mighty. Là, là, là. Ils sont vers où, c'est Tarba? Là-bas, là-bas. T'es gaffe, tire dans la tête. Une dans la tête. Une dans la tête. Bien joué. Nice. Yo, nickel, faites gaffe, y'en a certainement d'autres. Faites gaffe, les Jizz. Yo. Mets une balle dans la tête, yo. Occupez-vous de sécuriser le périmètre, les Jizz. Mettez-vous à couvert, putain. Yo, yo, yo. Eh, récupère la ligue, récupère la ligue. J'ai pris la voiture qui bombarde, yo. C'est parti, les Jizz, monte dans la turbo. Vas-y, grimpe, grimpe. I'm coming, I'm coming. La PAC de Nanterre, tout ce qu'on crée, la PAC de Nanterre, bande d'enfoirés. Y'a les faits, y'a les faits. Mettez vos plaques d'immatriculation contre le train, comme ça, les enfoirés chics, ils les prennent pas en photo, yo. Like this. Oh, nickel, bien renversé. Les mecs, ça arrive. Ça arrive, les Jizz, ça arrive. Non. Sortez les otages. C'est bon, t'as déjà pris. Ramasse le butin, super, les Jizz, que tu commences là. Nickel, nickel. Eh, la brosse de guerre, tu la fermes ta gueule là, tu la fermes ta gueule. Concentrez-vous, les Jizz, récupérez bien le butin. Ah, genoux, les boys, venez ici derrière. Y'en a deux ici et deux de l'autre côté, yo. Putain d'otage de merde. T'as pas encore fait de l'autre côté, Mighty? C'est parfait. C'est bon, l'autre côté, j'ai pas été plus froid. Ok, vas-y. Et c'est fermé pour moi là. Tous les trois là. C'est jamais, on sait jamais. Ah, long game, fuck tonight, tu vas faire un petit effort, tu vas t'asseoir. Pas de stress, j'ai de la graisse, Ledji, ok? Pas de stress, j'ai de la graisse. Voilà, like this. Vous pouvez compter sur moi, Ledji, je suis occupé de tout. Je vais remplir le gosier de vos voitures, elles sont un peu soif là. Jiggly? Un Jiggly, Jizz? Bah ouais, on nous a formé en haut. Oh les man, le rollman, c'est un Jiggly. Attends, Mighty, je t'interromps dans ta petite négoce. Recule vite fait, s'il te plaît, yo. C'est au chicken que t'arrives. Viens voir, viens voir. Demande au chicken leur nom, aux deux chickens, s'il te plaît. Parce qu'il y en a peut-être l'un des deux. Que après le braco, je vais essayer de choper. Je veux voir si c'est lui. Parce qu'en fait, hier, j'ai fait un coup. Et cet enculé, pendant le truc, il m'a dit, le gros lard, barre-toi là-bas. En plus, je vais me l'attraper, je vais me le farcir, yo. C'est quoi son Je pense pas que ça soit lui, mais demande-lui comment il s'appelle, yo, ok? S'il s'appelle donc, Russell, je demande quoi pour le troisième otage? C'est juste game. Comme tu veux, régale-toi, mec. Régale-toi, yo. C'est toi qui fais. C'est toi qui fais, yo. Ce que tu veux. Ok, qu'il fasse une danse. Bah vas-y, fais lui faire une danse. No snitch, no snitch. Faut que les cops et les snitch à quatre pattes comme les bitch. J'ai entendu sa voix, c'est pas lui. J'ai vu sa gueule, c'est pas lui. Déjà pour les deux premiers. Petit pour la barrière, ça va être bon, d'accord? Ok. On va être. On va être quoi? Il a pas les mêmes lunettes. Comment ça, serré? C'est un peu trop 5000 euros. Toyen de Saint-Jules la queue, pas 5000$? J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Il est pas là. Hein, t'es un pétard toi. Rappelle-moi, tu conduis la queue toi? Je sais pas, comme vous voulez, Jess. C'est toi qui vois. Rien à foutre moi. La disco, les deux caisses là-bas.
Sinon t'as celle-là, mais celle-là elle a pas d'essence. Je peux la remplir, t'inquiète. S'il me donne tout le butin, c'est mieux que j'ai la meilleure voiture. Ouais, excellent, Maji. Ouais, t'es bien niveau essence, Bassirou. T'inquiète pas, je suis plein, yo. J'ai pas la rêve de Bassirou, mais je suis là. C'est calme, mon Jiggilus. Je comprenais pas, désolé, yo. Tu connais, je te donne un place, t'as capté. Prends-moi Bruno, yo, c'est Karegi. Vas-y, Bruno. Carrément Bruno dans la place. Gang. La voiture, ouais. C'est okay, Missiet criminel, Missiet Ambola. Ça va, Chaotique? T'as réussi à te le farcir, le chicken grosse pop? Pas encore. On est sur le coup. Et c'est parti, elle part. Je prends laquelle, moi? Là, là, celle qui vient de partir, là, celle qui vient de partir. Est-ce qu'il y a un DJ dans la voiture qui va mettre du bon son sur le poste ou pas? Non, non. Tu veux que je te mette un bon son? Ou je mets mon son tout seul? Dans mes oreilles. Tu veux que je te mette un son? Audio, comme tu veux, yo. T'écoutes du Brésil? Du Brésil, ouais, ça me va, yo. Vas-y, vas-y, attends, je te mets ça. Vas-y, yo. Attends, mais y'a qu'une survoie par voiture? Ouais, 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 je crois. Ça va carrément bien se passer, yo. Alors, je te prépare ça, ok? Vas-y, yo. Tout Brasil. Chapa. Yo. Gatsu. Zuke bougon moi bouger les termes sur la piste de danse. Yo, c'est carrément du. Wouhou. Une musique pour devenir sourd, c'est bien. Comme ça, j'entends plus les sirènes derrière. Ouais, m'ont l'air de pas avoir trop de cardio derrière. Yo, c'est un peu du cardio là. Ils ont carrément pas la bonne manière pour bien courir, yo. Pour des mauvaises foulées. De toute façon, je suis tes yeux derrière. Ouais, t'inquiète, je suis mes propres yeux. Attends, je t'en mets une autre ou pas? Ouais, vas-y, mais dans la Zikmu, y'avait pas trop de. Je sais pas, yo, j'ai pas senti une osmose, moi. Okay, pour te faire kiffer, là, fais-moi kiffer, Maiji. T'es quoi? Bah, dis-moi un peu ton style pour te faire kiffer. Yo, les... moi j'aime bien la rogne. Funk, j'aime bien plein de trucs, la yo. La funk, ok, vas-y. Regarde, là, je vais faire semblant que je vais à droite. Je crois que j'ai pas cette distance pour aller à gauche. Moi, tu vois, ça l'a perdu un peu. Ils vont bien ou pas, TJ? Sinon, moi je t'aime vite fait, je te lâche et je vais les aider, yo. Tu vois ce que je veux te dire. Ouais, Chicken, en vérité, je suis en train de jouer avec leur Yux là. J'ai pas de funk, mais j'ai trouvé ça. Vas-y, yo. Bien Eminem, MC. Yo, carrément, vas-y, envoie du lourd, Mighty, fais-moi kiffer, yo. Wow, pourquoi ça m'a mis ça? Slash cousin! Ah, tu caraio! Tu carai! C'est tout bien! Wow, mais veut pas se mettre la musique, quoi! T'inquiète, trouve-en une autre, yo! T'es le DJ, je fais confiance, my DJ! Un dérapage, alors, j'entends ma s'attrouper, il vient de faire. Yo, je t'ai vu au dernier moment, espèce de gros gourmand, va. Tout bien. C'est elle, DJ, yo! J'ai trouvé ton style, j'ai trouvé ton style. Je vais tomber dans les pommes là s'il n'y a pas de Zikmu, je te le dis. Non, t'inquiète. Je vais te prévenir, yo. J'espère que c'est assez funk pour toi, ça, quand même. J'attends de voir si ça.
Style my G, je passe un bon moment. Mon dieu la fin. Check-moi ça, mon check-moi dieu, ça, check, check. Tiens. Yo, super gagné là-bas, il est là-bas. Oh non, il revient, yo. Oh fuck that shit. Oh fuck trop that relou, shit. Trop relou, yo. Je crois que je vais te mettre que de la funk en fait, c'est ta potion. Bah je t'ai dit yo, c'est de la magie, il voilà, la funk yo. Il arrive là, je le vois. Putain, comment on va s'en sortir, ouais, sérieux. T'es une sacrée largeur hein, sur moi. Oh je sais yo. Limite tu le piles. Je me balade, t'en fais pas. Oh vas-y t'inquiète hein, je fais confiance mon jupiter. Extra read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost the snapping. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm repping. Sending emojis. I'm blowing a pack of that OG. Don't be acting like you know me. And if you did, that's the old me. Winter time, rock a cold fleece. Pocket fat, that's OG. Beast. Only talking money if it's increased. She give me brain, girl, no teeth. I touch down, bust down. She busted open for a real nigga. Stay Tommy'd up, trying to build it up. Trying to count it up, hill figures. Don't be chilling with no little niggas. And if I do, I be real with them. Chase a dream, that's the meal ticket. ISO gang, yeah, they still with us. I put it in motion, they got me steady. Thoughts on my mind, it's weighing heavy. Watch how I shine, tell them I'm ready. I'm hitting my stride, let's get to the Fetty. I was just sitting back, watching them fold. Racks on me now, yeah, it's looking slow. I hold it down and I got my own. Keeping it grown, we back to the bone. Yeah, flying flashy, ay, ay. We too fancy, ay, ay. Can't walk past me, ay, ay. Right up your alley, wait, wait. I gotta play it safe, safe. Watch me isolate, lay. Watch me isolate, ay. Watch me isolate. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Fait que c'est là ici, tu glisses entre le truc gris et ça. Tu viens là, tu glisses entre la poubelle et ça. Ok. Oh, il a tapé. Il a tapé le mur. Bien sûr, bien sûr. Oh la. Ouais, mon Jiggly. Ouais, ok, attends juste, il fait un film de boule et il va me récupérer. Ok. Bah vas-y, bah. Tu l'as le sien ou pas? Quand je lui descends, tu descends, ok? Vas-y, direct. Stressez pas, roulez tranquille.
Vas-y, descends. Ouais, un bon. Allo Mike G? Ouais mon Jiggy VG, tu connais quand la carré smoke c'est un peu la merde hein? Bon écoute j'ai deux buffalo derrière et une cricket smoke. Ou c'est quoi comme tu revois tu m'as dit? Moi j'ai deux buffalo derrière, moi j'ai la Impaler Helix avec laquelle tu les as tués tout à l'heure. Ok donc vous voulez que je vous récupère, vous voulez descendre de votre survoi et monter avec moi? Ouais comme tu veux hein, on okay. Est trois nous. Mais dépêche-toi de faire parce qu'on se trouve vraiment là, ça se moque en or. Carré, vous savez où c'est le plan Burger Shot? Vous l'avez déjà fait ou pas ce plan yo? Jamais, on voit la droite quand t'es en prison, on est débrouillé. Ok, je vais à l'endroit où il y a le queue tru, faut exactement que t'ailles là et tu sautes en dessous. De toute façon, vous allez voir ma survoi, ok? Vas-y, à tout de suite.